Qu'est-ce que tu dis? Bien, merci. Merci à vous. J'ouvre donc, s'il vous plaît, cette séance du Conseil municipal en vous remerciant de votre présence, en saluant et en remerciant celles et ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Et justement, en parlant des réseaux sociaux, avant d'ouvrir la séance officiellement, je cède la parole un petit instant pour une information à Mélinda. Bonsoir à tous. Une grande information puisque nous poursuivons nos actions en faveur d'une inclusion plus globale, de lutte contre toutes les formes de discrimination et de politique envers les personnes en situation de handicap. Nous avons donc pris la décision, et du coup ça commence ce soir, de déployer en tout cas une politique d'accès pour tous à la vie politique et à la citoyenneté, avec la mise en accessibilité des conseils municipaux pour les personnes sourdes et malentendantes et celles qui sont gênées par une audition en baisse et qui sont appareillées ou non. Ils seront donc tous traduits, nos conseils municipaux. Ils seront traduits en direct, en ce qu'on appelle en TIP, donc traduction instantanée de la parole, pour que les personnes qui ont besoin de pouvoir, en tout cas d'y avoir accès, puissent le faire. Donc ils sont quand même en grand nombre à avoir ce besoin. Donc ça va s'adresser aux personnes qui sont sourdes, qui sont donc malentendantes, qui ne maîtrisent pas forcément la langue des signes. C'est pour ça qu'on a aussi choisi de passer plutôt par cette partie de traduction, donc en TIP, en traduction instantanée, que par la langue des signes. Donc ce sera une première ce soir.
Et ça peut aussi aider des personnes qui, bah, aussi avec l'âge, ont peut-être un peu du mal à suivre. Ils pourront aussi suivre cette partie comme un peu sous-titrée, finalement. Voilà. Merci, Mélinda. Bravo pour cette initiative complémentaire. Et merci pour ton engagement sur ces questions d'inclusion. Jordan, pour l'appel des participants. Merci Monsieur le Maire, bonsoir à toutes et tous, chers collègues, bonsoir à celles et ceux qui sont dans la salle et bonsoir à celles et ceux qui nous écoutent. Nous commençons l'appel avec Farida Amrani. Pas de pouvoir à ma connaissance. Diara Badiane. Présent. Alban Bakari. Mélinda Bayol. Présent. Stéphane Baudet. Présent. Fadila Bendoula. Samir Benamara. Absent, pas de pouvoir non plus. Pétroline Béraud, Michel Bonafous, Carmel Bonnet, Myriam Boubel, Corinne Bourgeois, Jean Caron, Henri Catalifo, Pascal Cochebray, Henri Chaillot, Pascal Chatagnon, Sandrine Chaumont, Francis Choix, Pouvoir Médis et Gouffre, Rémi Courteau, Yvan Couvida, Philippe Dardillac, présent. Mara Delmé-Gilbert, Nébia Diakité, pouvoir Henri Catalifo, Najwa Elaïté, pouvoir Dira Badiane, Ronan Fleury, présent. Rafik Garni, donner pouvoir à Madame Béraud, Gérard Gianatti, Natacha Gérard, présent. Jean-Baptiste Gras, Lorraine Anna, pouvoir Freddy Nsondé, Dioulaba Njaï, Stéphane Journé, présent. Fatoumata Kouetta, Claude-Emmanuel Maisonnave-Coutérou, Dominique Marquet, présent. Abdoulaziz Mbaye, Lucas Mélin, présent. Freddy Nsondé, Agnès Omer, Daniel Ovono, présent. Sabine Pellerin, pouvoir à Rémi Courteau, Marie-Thérèse Plot, présent. Olivier Potocard, Edwige Prisca, présent. Pierre Pro, présent. Jordan Schwab présent, Azedine Serigi, Henri Simenou, pas donné pouvoir. Tania Tiaing. Pouvoir Michel Bonafous. Daniel Valero. Présente. Virginie Villemain. Et Mehdi Zegouf. Merci Jordan. Le quorum est donc atteint. Nous pouvons démarrer ce conseil municipal par l'approbation du PV du 8 décembre dernier. Est-ce qu'il y avait des questions sur ce point? Pas de vote contre, pas d'abstention. Je vais donner lecture de quelques communications du maire courtes ce soir, vu la densité de notre ordre du jour. D'abord, un retour sur les vœux de 2023, puisqu'après 2 ans de crise liée au Covid-19, qui nous ont empêchés d'organiser physiquement la cérémonie des vœux à la population, c'est avec beaucoup de plaisir que nous avons pu nous retrouver cette année avec quelques 1000 habitants et personnalités qui nous ont fait l'honneur d'être présents ici même, dans cette salle, le 7 janvier dernier. Contrairement à 2019 et à 2020, nous avons fait cette année le choix de fusionner les deux cérémonies traditionnelles en un seul et même lieu pour répondre notamment à l'objectif d'en limiter le coût en cette période de sobriété nécessaire tout en maintenant une qualité d'accueil à la hauteur des attentes de notre population. Je tiens évidemment au nom du conseil municipal à remercier chaleureusement cette population de sa mobilisation très forte en ce samedi 7 janvier ainsi que tout notre personnel municipal qui a grandement contribué à la réussite de cet événement. J'en profite pour poursuivre sur les vœux, sur toutes les fêtes du mois de janvier, puisque évidemment le début de l'année a été l'occasion pour les associations de notre territoire, ainsi que pour nos maisons de quartier et centres sociaux, d'organiser aux quatre coins de la ville de nombreux moments festifs et conviviaux autour de très nombreuses galettes, assez souvent d'ailleurs artisanales et fabriquées par les habitants eux-mêmes. Elles ont ainsi démontré que leur mobilisation pour animer nos quartiers demeurait intacte et que nos équipements de proximité retrouvaient toutes leurs raisons d'être. Et je tiens là aussi à saluer leur engagement sans faille au service de nos habitants. Pour ceux qui suivent, voilà qui mérite un carton vert. Sur le sujet de la participation citoyenne également, tout en regrettant que les habitants présents lors des multiples instances de participation citoyenne soient parfois trop peu nombreux au regard des moyens que déploie la ville. On entend assez régulièrement le discours autour de la nécessité de la concertation, mais enfin en matière de mobilisation d'agents municipaux, mobilisés pour préparer en amont les réunions, puis suivre les nombreux dossiers, les services municipaux.
Je voudrais saluer toutes celles et ceux qui s'investissent de nos habitants avec exemplarité dans leur fonctionnement et en particulier dans les réunions qui se sont dernièrement déroulées dans les conseils de quartier du village et des Honnêtes, ainsi que lors du forum de clôture de l'importante concertation du centre-ville ici même. J'en profite d'ailleurs pour rappeler que nos conseils de quartier sont ouverts à tous les habitants et qu'ils participent à la vie sociale et culturelle de notre ville, mais également au renforcement de son expression démocratique, puisque nous sommes suivis sur les réseaux sociaux, je le redis publiquement haut et fort. Chers amis, participez. Enfin, pour finir cette très courte, vous voyez, pour une fois je tiens à mon engagement, cette très courte communication du maire, par rendre quelque hommage et en ayant une pensée particulière envers les habitants, agents ou ex-agents municipaux actuellement hospitalisés ou rencontrant des problèmes de santé, parfois graves, l'un d'entre eux entre la vie et la mort au moment où je vous parle. Je pense évidemment à Philippe. Et honorer la mémoire d'Ayoub, de Christophe, de Miroslav, de Marie-Françoise et, puisque nous étions réunis en la cathédrale cet après-midi, de Geneviève, à qui nous avons rendu un dernier hommage. Tous ces habitants, ces amis, ces fonctionnaires de la collectivité très engagés pour le bien public et collectif et qui nous ont malheureusement quittés depuis la fin de l'année. Chers amis, je vous remercie pour ces points d'information. Vous indiquez que nous n'avons reçu aucune question orale ou motion. Vous indiquez que vous avez remis sur table un dossier complémentaire que je vais rapporter dans un instant, puisqu'il s'agit d'un dossier concernant une subvention exceptionnelle dans le cadre du séisme qui a frappé sévèrement la Turquie et la Syrie. Vous donnez pour information que vous avez sur l'espace nuageuse le rapport annuel des indemnités des élus. Vous savez que c'est obligatoire, on le fait tous les ans depuis plusieurs années maintenant. Voilà, et donc je vous propose que nous rentrions maintenant dans le cœur du sujet de notre conseil municipal de ce soir. Le premier point à l'ordre du jour, que l'on appellera donc le point zéro rajouté sur table, a donc trait aux tremblements de terre qui sont survenus, je dis sont, puisqu'il y a évidemment les répliques qui, au moment où tout est détruit et où nous avons encore des blessés sous les décombres, peuvent engendrer évidemment de nouvelles victimes. Et donc les secousses successives ont presque autant d'importance que le tremblement de terre initial lui-même, a frappé quasiment 5 millions de personnes qui sont aujourd'hui dans une situation de vulnérabilité, pardon, que chacune et chacun d'entre nous peuvent regarder sur les chaînes d'information. Nous souhaitons donc, comme le fera d'ailleurs Grand Paris Sud mardi prochain, pour le même montant, nous engager, comme nous le faisons assez régulièrement sur ce type de catastrophe, dans un élan de solidarité internationale pour venir en aide aux populations civiles qui sont sinistrées, et donc vous proposer la subvention de 10 000 euros que nous remettrons au comité international de la Croix-Rouge au titre de l'aide matérielle apportée sur place. Voilà, est-ce qu'il y a des questions sur ce point ? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions ? Je vous remercie unanimement pour ce geste de solidarité. Le point numéro 1 donc de notre ordre du jour normal, c'est l'actualisation des désignations d'élus dans les conseils d'école. Mehdi. Oui, merci Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Une délibération technique qui vise à actualiser la liste des élus qui siègent en conseil d'école. Vous savez qu'on a plus de 50 écoles sur le territoire, que dans chaque conseil d'école siègent deux élus de la majorité municipale. Et donc, dans 3, 4, 5, 6, 7 d'entre elles, il nous faut réactualiser quelques désignations dont vous avez eu la liste dans votre dossier. Je ne pense pas qu'il faille entrer dans le détail. Je vous remercie. Merci Mehdi. Y a-t-il des questions sur ce point ? En remerciant les élus qui s'astreignent à participer à tous ces conseils d'école. Il y en a beaucoup cette semaine, notamment encore beaucoup ce soir. Je vois des sourires pour celles et ceux qui enchaînent conseil d'école, conseil municipal. Pas de questions sur ce point, pas de vote contre, pas d'abstention. Chers collègues, je vous remercie. On rentre maintenant dans 3 ou 4 délibérations qui sont d'ailleurs des prendre acte, qui ne sont pas des délibérations soumises à vote, mais qui sont importantes sur la vie de la collectivité, puisque ce sont différents rapports sur des thématiques. Et on commence, comme chaque année, par Virginie Villemain, sur le rapport 2022 sur l'état de la collectivité en matière d'égalité femmes-hommes. Virginie.
Bonsoir, merci. Nous avons obligation en tant que commune de plus de 20 000 habitants de présenter un rapport sur l'état de la collectivité en matière d'égalité entre les femmes et les hommes depuis l'instauration de la loi du 4 août 2014. Ce rapport présente des données ressources humaines ainsi que la politique menée en matière d'égalité entre les femmes et les hommes sur le territoire et ceci en direction des habitants. Le rapport pour l'année 2022 traduit l'engagement et la politique que porte notre ville dans la promotion de l'égalité femmes-hommes et de lutte contre les violences faites aux femmes. Ce rapport comporte deux parties. La première partie présente les données relatives aux ressources humaines de la ville pour l'année 2021 et l'autre partie concerne les actions menées par la collectivité en 2022 selon trois axes de plan d'action d'égalité femmes-hommes. En 1, la promotion de l'égalité à travers l'éducation, la lutte contre les violences sexistes et sexuelles et la lutte contre les inégalités professionnelles. Alors je ne pourrais donner toutes les actions qui ont été mises en place de manière exhaustive. Je voudrais juste m'attarder sur deux, trois actions. La première, c'est les actions de sensibilisation et d'éducation à la vie affective et sexuelle au sein des établissements scolaires, principalement collèges, lycées et cette année trois écoles élémentaires. Ce sont 12 structures au total, dont 10 de l'éducation nationale qui ont été touchées et près de 2400 élèves sensibilisés sur ces questions. Pour le deuxième axe, sur la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, nous avons élaboré avec les acteurs spécialisés du territoire une fiche réflexe sur les violences au sein des couples qui a été diffusée au mois de novembre. Nous avons mis à disposition par la ville un logement auprès de l'association Femmes Solidarité 91 pour héberger les femmes victimes de violences conjugales et nous avons déjà une famille qui l'occupe depuis le mois de septembre. Un deuxième logement arrive pour le printemps 2023. Nous avons permis, grâce à l'appel à projet, de financer 4 actions associatives avec un budget de 10 000 euros, qui sera augmenté à hauteur de 15 000 euros pour l'année qui vient. Sur le troisième axe, contre les inégalités professionnelles, le plan d'action sera adopté prochainement. Et nous avons formé des volontaires au service civique, une vingtaine de jeunes, sur les questions de violences sexistes et sexuelles, avec beaucoup d'actions, notamment sur les quartiers, au centre des centres sociaux et des maisons de quartier, et des actions autour du 8 mars. Alors j'en profite pour remercier vivement les agents municipaux, les associations, les citoyens et tous les acteurs du territoire qui œuvrent au quotidien sur ces questions, parce qu'ensemble, je crois que nous avançons. Alors il est demandé au conseil municipal de prendre acte de la présentation de ce rapport. Merci Virginie, à la fois pour ton action constante avec les services et puis pour ta concision dans ce rapport. Est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport ? Annie. Merci Monsieur le Maire, chers collègues. Hélas, notre ville d'Évry-Courcouronnes, comme aussi le territoire, un peu partout et comme employeur notamment, n'est pas épargné par les inégalités de genre qui minent en fait l'ensemble de la société française. À Évry-Courcouronnes, l'écart de salaire est toujours de 185 euros entre les hommes et les femmes. À Évry-Courcouronnes, les femmes sont trois fois plus en contrat de précarité que les hommes. Permettez-moi d'ailleurs de noter que cette précarité, ici comme ailleurs dans la carrière des femmes, est un des arguments de mon engagement aux côtés de millions de Français contre la réforme des retraites qui pénalisera les femmes toujours et encore victimes de ce système sexiste. J'en reviens au rapport, donc permettez-moi de saluer les services municipaux pour leur engagement, les partenaires tant institutionnels qu'associatifs qui s'engagent pour l'égalité. L'engagement de la ville est indispensable à travers plusieurs actions. Vous rattrapez votre retard et c'est une bonne nouvelle. Vous allez enfin répondre à l'obligation légale de la loi de 2019 avec la mise en place d'un plan d'action pour l'égalité professionnelle. Et vous avez adhéré, il me semble, au centre Hubertine Auclair en 2022, donc mieux vaut tard que jamais, concernant la présentation des actions pour les luttes contre les stéréotypes et les inégalités de genre. Il serait utile de disposer de données chiffrées sur les actions menées par la municipalité pour analyser et évaluer les politiques publiques. Sur les violences conjugales et sexuelles, sur les propositions en fait, et notamment la proportion filles-garçons qui participent aux actions
et qui utilise les structures municipales sur les destinataires des aides municipales. Je pense notamment là aux familles monoparentales. Une politique doit avoir des objectifs, doit analyser ses impacts, ce qui est en fait dans tous les cas indispensable, mais il me semble intéressant d'objectiver votre politique afin d'assurer que ce ne soit pas dans l'incantation. Voilà, merci. Ça, en matière d'incantation. Virginie, il y a la vraie vie et puis il y a ceux qui gèrent. Oui, alors il y a des choses sur lesquelles je ne pourrais pas répondre et je ne souhaite pas répondre parce que ça ne me semble pas forcément important. Quant au centre Hubertine-Auclert, nous sommes élus au conseil d'administration. Les choses, elles prennent leur temps et on travaille avec eux. Enfin, je ne vois pas, mieux vaut tard que jamais, je ne vois pas trop à quoi sert cette remarque. En tout cas, elle n'est pas utile pour les habitants. Donc, on travaillait déjà avec le centre Hubertine-Auclert avant. Je ne crois pas, en tout cas, qu'on nous ait sollicité par le passé pour y adhérer. Non, et puis on travaillait déjà avec eux, c'est-à-dire qu'on travaillait déjà avec des expositions. On a pris une adhésion là parce qu'elle a été renouvelée, mais le travail se faisait déjà en amont, donc votre remarque me semble un peu déplacée. Enfin, il faut peut-être connaître les choses avant d'y répondre. Pour le reste, alors pour les données RH, je laisserai Renan pouvoir aborder cette question, sachant qu'effectivement l'écart se réduit. Et je crois qu'il y a des choses qui sont mises, on en a parlé avec Renan hier, des choses qui se mettent en place. Les hommes prennent rarement aussi des congés paternité. Il y a des choses qui tiennent, on a les femmes qui sont à tous les plus hauts postes au niveau de la mairie. On a aussi des hommes qui participent de plus en plus au télétravail. Donc ça veut dire qu'il y a des choses qui sont en train d'évoluer socialement et on peut pas revenir sur des siècles d'inégalités comme ça, on n'a rien de temps. Et quand je dis que je suis fière et que nous avançons ensemble, je pense qu'il faut aussi savoir laisser le temps. Pour le reste, si Renan veut répondre sur les questions RH, quant aux questions de sensibilisation, il y a énormément d'actions qui sont menées sur le territoire. On n'a jamais discriminé les femmes monoparentales, enfin, les familles monoparentales. Le travail, il est fait également. Donc, j'ai pas tout à fait saisi vos remarques, en fait, qui me semblaient un peu pas tout à fait bienveillantes, en tout cas. Je te préparerai une note écrite pour le prochain conseil municipal, t'inquiète pas. Renan ? Quelques éléments, effectivement, il reste une différence de rémunération moyenne encore trop importante, puisqu'elle est de 9,76%. L'année dernière, elle était de 15% de différence quand on prend la somme des rémunérations des femmes et la somme des rémunérations des hommes et qu'on divise le tout. Mais tous nos chiffres ne sont pas à l'égalité. Par exemple, je vais vous en prendre un premier, qui est la population globale des 1600 agents d'Évry-Courcouronne. Eh bien, 68% de ces agents sont des femmes, 32% sont des hommes. Si on voulait être à la stricte égalité homme-femme, il faudrait qu'on ait 50-50. Est-ce à dire qu'on va interdire aux femmes de postuler pour rééquilibrer et avoir 50% d'hommes et 50% de femmes? Ce n'est pas souhaitable. On a 68% de femmes, mais dans les cadres A, 77% des cadres A, la catégorie la plus importante, 77% de cette catégorie, ce sont des femmes. Notre directrice générale des services est une femme. Bon, donc ce qui est quand même à saluer dans une ville assez importante, et c'est une très bonne chose. Mais effectivement, comment on explique cette différence de rémunération ? Laquelle était par le passé directrice des services techniques et gérait des hommes ? Tout à fait. Chapeau bas. Tout à fait. Et d'ailleurs, la filière technique, pour le coup, est une filière essentiellement masculine. Vous savez qu'il y a des filières. Voilà. La police municipale, c'est une filière essentiellement masculine. Alors, les femmes progressent et dans la filière technique et dans la filière police municipale. Dans la filière, par exemple, médico-sociale, 99% des agents dans la filière médico-sociale sont des femmes. Bon. Et... Oui, mais il y a 1% qui est quand même... Bon, pour le coup, nous avons tout un tas de phénomènes qui sont effectivement genrés dans l'emploi, mais pas seulement dans la fonction publique, c'est vrai dans le privé aussi. On a extrêmement de mal à avoir, par exemple, des personnels féminins, ça arrive de temps en temps, dans les espaces verts. Et quand d'ailleurs il y a un personnel ou plusieurs personnels féminins chez les espaces verts, et bien, l'équipe en question est très contente. A contrario, dans le monde de la petite enfance, pratiquement aucun homme ne postule. Et ça, c'est pas normal, c'est pas notre fait. On essaye, nous, pour le coup, d'aller à l'encontre de ces phénomènes, mais enfin, il faut ramer sérieusement pour changer les comportements. Virginie expliquait le télétravail. Avant le Covid, le télétravail était peu pratiqué, il était pratiqué à 100% par les femmes.
Pourquoi ? Parce que les hommes ne s'autorisaient pas à demander du télétravail. Pourquoi ? On pourrait en faire des études. C'était ainsi. Grâce, si je puis dire, au Covid et au télétravail généralisé et obligatoire, aujourd'hui, sur le télétravail, on est à 50-50. C'est-à-dire autant d'hommes que de femmes, il n'y a plus de différence dans la demande du télétravail. Donc on a évolué là-dessus. On a évolué là-dessus, mais on n'a pas évolué sur les congés parentaux. Les congés parentaux, ce sont que des femmes. Est-ce de notre faute ? Non. Est-ce que nous, on essaye de faire le maximum pour que les hommes s'autorisent à prendre des congés parentaux ? Oui, mais on ne changera pas la société. Et sur le temps partiel, il est effectivement essentiellement féminin. Parce qu'aujourd'hui, les hommes sont tout à fait en droit de demander un temps partiel. Mais aujourd'hui, dans nos effectifs, il est extrêmement rare qu'un homme demande du temps partiel. Voilà. Est-ce de notre faute ? Non. Est-ce que nous, on fait le nécessaire pour dire aux hommes, vous avez le droit aussi de demander du temps partiel ? Oui, mais on ne changera pas la société d'un claquement de doigts. Voilà. Le temps partiel, pour le coup, c'est aussi ce qui explique en partie la différence de rémunération. Parce qu'une personne qui est à mi-temps, ben, elle est présente intégralement, mais son salaire est divisé par deux, parce qu'elle travaille à mi-temps. Donc, et comme le temps partiel est 100% féminin, forcément, ça baisse. Voilà. Les deux éléments qui expliquent la différence de rémunération, c'est le temps partiel, exclusivement féminin, et dans les filières, les rémunérations ne sont pas identiques. Par exemple, la filière technique rémunère mieux que la filière animation, c'est comme ça, c'est structurel, ce n'est pas de notre fait. Et dans la filière technique, il y a plus d'hommes que de femmes. Voilà. Merci Ronan, voilà qui est extrêmement précis. Bien, Rémi Courteau. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Je voudrais demander à madame la députée ou le député, je ne sais pas comment il faut dire, puisqu'on est dans le cadre de l'égalité homme-femme. Vous avez annoncé une différence de revenus de 185 € entre les hommes et les femmes sur la ville d'Évry-Courcouronnes. Vous parlez de toute la population ou juste des personnes qui travaillent au sein de la commune? C'est le rapport, donc je parle des agents municipaux. D'accord, merci. C'est le point sur lequel vient très précisément de répondre Ronan Fleury. Voilà, de façon particulièrement argumentée. Monsieur Serigi, prenez le micro, monsieur Serigi. Une petite question. Ça s'appelle du comique de répétition. Bonsoir. Fleury, c'est juste... Monsieur Fleury. Monsieur le grand Fleury. Allez, on rajoute encore monsieur. Monsieur le grand. Voilà, ok, c'est pas un problème ça. Monsieur Fleury, c'est juste une petite question toute simple. On dit 185 € de différence, expérience égale et année égale. À quand ? Je pense que vous n'avez pas écouté l'explication. Non, c'est pas... Bon, d'accord. À quand, ici, à la ville d'Ivry, Évry-Courcouronnes, nous allons rattraper ce retard ? Il existe... Alors, je suis désolé, je vous invite à avoir une discussion... Après le conseil municipal, parce qu'il vient très exactement d'expliquer qu'il n'y a pas de retard et que, d'une certaine manière, on confond des emplois mi-temps avec des emplois plein temps et des filières. Il vient d'expliquer, donc je veux bien que vous ayez une petite explication complémentaire, mais on va peut-être pas la refaire une deuxième fois. Enfin, pardon, hein, l'explication de Ronan Fleury a été particulièrement argumentée et claire. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions sur ce point... Nous prenons donc acte que ce rapport a été débattu en conseil municipal. Merci Virginie de ton engagement et merci Ronan de cette parfaite maîtrise des sujets. Rapport cette fois sur l'état des lieux de l'application du principe de laïcité au sein de la collectivité. Agnès. Oui, merci monsieur le maire. Ce rapport annuel d'activité dresse un état des lieux de l'application du principe de laïcité et rend compte de l'ensemble des actions menées durant l'année écoulée. Le rapport pour l'année 2022 traduit l'engagement de la commune en matière de laïcité, tant à l'interne qu'à l'externe. Il présente les différentes actions menées au titre de la mise en œuvre du plan d'action laïcité 2022-2024 autour de trois axes prioritaires: le respect de la neutralité du service public, la promotion de la laïcité, de la liberté de conscience et de la diversité des croyances, et la lutte contre la radicalisation religieuse. La première partie du rapport présente les actions de formation menées en interne à destination des agents municipaux. Entre autres, 64 agents ont suivi la formation « Valeurs de la République et laïcité », une formation qui s'est déroulée sur 2 jours.
et ils ont pu bénéficier du guide pratique de la laïcité suite à cette formation. Près de 400 agents ont été formés depuis la mise en place du dispositif depuis donc de 2015. De plus, la politique municipale de lutte et de prévention de la radicalisation s'est faite autour de deux éléments principaux. La stratégie locale de sécurité et de prévention de la délinquance, avec comme objectif de repérer et de signaler les situations de radicalisation potentielle. Le plan d'action laïcité fixé comme objectif la lutte contre la radicalisation religieuse. Dans ce cadre, une cinquantaine d'agents ont pu bénéficier d'une sensibilisation à la radicalisation et au repli communautaire. La deuxième partie du rapport fait état des actions concernant les professionnels socio-éducatifs, les habitants et les jeunes. Donc vous trouverez le détail des formations qui ont été assez nombreuses délivrées par l'association Enquête à destination des enseignants de la ville. 262 enseignants ont bénéficié des formations mises en place par la ville sur l'année 2022. De plus, 200 jeunes des lycées Brassens et Baudelaire ont été sensibilisés au phénomène de radicalisation à travers une pièce de théâtre qui intitulée « Les teneurs ». Cette pièce était un outil de réflexion, de sensibilisation et questionne donc la radicalité violente, ses vices et ses manifestations. La troisième partie du rapport fait état des activités du Conseil citoyen de la laïcité, local de la laïcité. Le Conseil citoyen local de la laïcité a organisé plusieurs ateliers débats afin de dialoguer, d'ouvrir le dialogue sur la laïcité, de sensibiliser les publics sur les thématiques de la liberté de croyance ou de non-croyance et aux faits religieux. Ainsi, ils ont pu toucher les enfants du classe, des jeunes des maisons de quartier et centres sociaux, le conseil des jeunes d'Évry-Courcouronne, mais aussi les groupes des pères et des jeunes de l'association Génération 2. Ils ont aussi animé le 8 décembre une exposition « La laïcité tout simplement » auprès des jeunes du classe du centre social Brel-Brassens, et le 9 décembre, dans le hall de l'hôtel de ville, afin de sensibiliser les usagers. Comme vous le savez, le Conseil de la laïcité a été renouvelé donc, lors du Conseil du mois de décembre, pour une période de 2 ans. 15 nouveaux membres ont été donc nommés. De plus, le Conseil de la laïcité ayant pour vocation d'apporter, sous forme d'avis ou de recommandations, un éclairage aux élus, Monsieur le maire, vous avez saisi donc l'instance afin d'alimenter et enrichir le diagnostic de territoire en matière de discrimination liée aux croyances et aux non-croyances dans le but de contribuer à nourrir la politique municipale en matière de laïcité. Il s'agit donc pour les membres du Conseil de la laïcité de vérifier auprès des acteurs et des habitants dans quelle mesure les constats rejoignent ou non les leurs, et de poursuivre les actions de dialogue, d'écoute et de recueil de la parole, et de partager ces constats auprès des élus sous forme de rapport. Donc il est donc demandé au conseil municipal de prendre acte du présent rapport. Merci Agnès, merci à celles et ceux qui participent au conseil local de laïcité. Est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport? Il n'y en a pas. Prenons acte qu'il a été rendu en conseil. Je vous remercie. Merci à nouveau Agnès. Point numéro suivant. À plusieurs voix cette fois, comme l'année dernière, le rapport sur la situation de la commune en matière de développement durable, qui est une politique transverse. C'est la raison pour laquelle plusieurs élus vont prendre la parole en vous demandant à chacun d'être les plus concis possible. Daniel. Oui, monsieur le maire. Donc c'est bien le rapport de ce que la ville, les actions qui ont été faites par la ville en matière de développement durable en 2022. Et les perspectives pour 2023, ben, ça ne vous a pas échappé. On est dans une crise sanitaire. On a en plus maintenant une crise un peu sécuritaire, une crise de l'énergie et puis un dérèglement climatique que plus personne, évidemment, ne peut nier.
Et donc, il s'agit de faire preuve d'une plus grande sobriété. Les actions évoluent fortement, quand même. Il s'agit de consommer moins d'énergie, de produire moins de déchets, d'orienter les achats plutôt vers de l'occasion et de recourir aux mobilités douces. Et puis, il s'agit aussi de sensibiliser, et vous allez le voir après, de sensibiliser à ce que l'on fait, d'abord au sujet que l'on traite et à ce que l'on fait. Alors, ce rapport, effectivement, est à plusieurs voix, beaucoup cette fois-ci, encore plus que la dernière fois, avec pas mal de mes collègues qui sont d'ailleurs à cette table. Et Pierre Pro pour la partie énergie. Merci. Donc, sur la partie énergie, bonsoir. C'est la première partie de ce rapport sur le développement durable. L'année 2023 a été marquée, chacun le sait, par une hausse extraordinaire des prix de l'énergie. Et vous vous rappelez que nous avons pris en septembre des mesures fortes pour lutter contre cela. Ça aura été l'opportunité de faire d'une pierre deux coups, si je peux dire, parce que on a été obligé, à cause de l'augmentation des tarifs, de prendre ces mesures fortes. Et ces mesures fortes, elles ont un intérêt écologique fort également. Et donc, quelque part, on a été poussé à prendre des mesures qui seront pérennes et qui nous rendent plus vertueux sur le plan écologique. Alors, ces mesures, elles n'ont pas été forcément confortables pour tous. En effet, c'était des mesures de baisse de chauffage. Concrètement, on a ramené déjà les températures aux consignes prévues. Et en plus, on a baissé les consignes généralement de 21 degrés à 19 degrés. Également, les gymnases sont passés de 18 à 16 degrés. Nous avons aussi renouvelé le contrat d'exploitation des bâtiments avec un contrat qui intéresse l'exploitant aux économies de chauffage qu'on fait, c'est-à-dire qu'il fixe un objectif de consommation. Si la consommation est trop forte, il s'engage à nous payer des indemnités et si la consommation est plus faible, il empoche la moitié des gains et nous empochons aussi la moitié des gains qu'il réalise par ces économies-là. C'est un système très vertueux parce que du coup, l'objectif qui a été fixé était d'atteindre moins 22% de consommation d'énergie, moins 22%. Et pour l'instant, on est au milieu de l'hiver, donc j'ai un bilan préliminaire, on fera le bilan complet à la fin de l'hiver, mais pour l'instant, eh bien, l'objectif est en passe d'être atteint à quelques dixièmes de pourcent. Ça nous fait des économies qui étaient visées de l'ordre de 2000 MWh par an, soit 400 tonnes de CO2, c'est considérable, et probablement un peu plus que 300 000 euros d'énergie. Donc c'est quelque chose de sensible qu'on a réussi à faire par ces mesures, certes douloureuses pour certains, je le reconnais, mais on voit que c'est quelque chose qui aura porté ses fruits. En parallèle de cela, donc vous savez qu'on mène aussi des gros travaux de rénovation sur beaucoup de bâtiments municipaux. Donc il y a des investissements dans les infrastructures de chauffage, de ventilation, notamment au travers du marché d'exploitation dont j'ai parlé juste avant. Et il y a aussi des grosses rénovations dans les écoles. Par exemple, l'école Jules Verne, par exemple, qui a été rénovée en 2022. Sur l'énergie, il y a aussi l'ALEC, l'Agence locale de l'énergie et du climat, qui est le bras armé de la puissance publique pour conseiller les particuliers en rénovation énergétique. Et nous avons notamment fait avec eux une grosse campagne de communication sur les économies d'énergie. Sur le volet ENR, énergie renouvelable, l'année 2022 aura été l'année où les travaux de la géothermie auront été finalisés. La géothermie, c'est un forage sur une nappe d'eau chaude et où on va extraire de la chaleur du sol pour l'injecter sur le réseau de chaleur de la ville. Cette géothermie a été mise en service au 1er janvier 2023, partiellement, et elle sera complètement mise en service au 1er avril 2023, ce qui nous permettra de baisser le coût de la chaleur qui avait fortement augmenté à cause des prix de l'énergie qui avaient explosé. Dans les perspectives sur l'année 2023, c'est des actions qui ont été commencées en 2022 mais qui vont se concrétiser en 2023. Il y a la sensibilisation des élèves. On a 20 classes qui vont participer au programme WATI, qui est un programme de sensibilisation des élèves à l'énergie sur 3 séances. 20 classes, ce n'est pas énormissime, mais par contre, il faut savoir qu'une cohorte
Une cohorte, c'est à peu près 45 classes. Donc ça veut dire à peu près la moitié d'une cohorte. Si c'est concluant sur cette année scolaire, on renouvellera pour l'année suivante de manière à toucher, si possible, tous les élèves, si possible, de la ville. Voilà sur l'énergie. La suite avec Lucas Mélin sur les mobilités. Oui, sur les mobilités. Alors, conformément aux orientations du schéma stratégique cyclable qui préfigure ce que sera à terme en 2026 le plan vélo de la ville, nous avons déployé une centaine d'arceaux supplémentaires et nous en prévoyons 150 pour le premier semestre de cette année avec l'installation de 11 bornes d'entretien et de gonflage. Nous avons engagé une concertation sur la réfection de la piste Troisdorf, Camus et HSF dont les aménagements se feront durant le premier trimestre 2023. Nous avons également travaillé à l'apaisement des circulations dans le quartier du village en lien avec les associations et le conseil de quartier à travers un dispositif de limitation de la vitesse de circulation à 30 km/h et du double sens cyclable qui sera généralisé d'ici à la fin du mois. Le programme Savoir rouler à vélo, le fameux SRAV, a permis à 146 enfants de l'école Van Gogh et du centre de loisirs Bois-Guillaume d'apprendre à circuler en ville et en autonomie. Une trentaine de nouvelles classes devraient en bénéficier dans l'année à venir. La ville a d'ailleurs fait l'acquisition de 27 vélos dans le cadre des cités éducatives qui serviront justement pour le SRAV. Il n'aura échappé à personne qu'en 2022, les trottinettes et vélos à assistance électrique Pony ont fait leur apparition sur la ville. Avec des moyennes hebdomadaires de 1400 trajets pour les trottinettes et près de 200 pour les vélos et des flottes respectives de 250 et 100 engins, cette nouvelle offre de mobilité semble avoir trouvé son public, notamment, mais pas exclusivement non plus, chez les plus jeunes. Aussi, dans le cadre de l'alliance de travail Agir Ensemble, qui réunit les écoles, enfin les grandes écoles de la ville, la municipalité et l'agglomération, une étude a été engagée pour réaliser un plan de déplacement interétablissement, étude qui sera bien évidemment intégrée au plan vélo. Et enfin, et pour rappel, les agents de la ville qui se rendent sur leur lieu de travail en vélo, trottinette ou en covoiturant, minimum 100 jours dans l'année, peuvent solliciter le forfait mobilité durable. L'occasion aussi de dire que de plus en plus de vélos et trottinettes électriques sont mises à la disposition des agents de la ville dans le cadre de leur mission. Je vous remercie. Alors ensuite, ce sera moi sur la partie santé environnementale. Vous savez que bon, alors le Covid, c'était évidemment pas terrible, mais enfin, ça nous a quand même un peu aidé, en tout cas poussé à installer des, vous rappelez, les capteurs de CO2, la petite boîte qu'on avait mis dans les restaurations scolaires. On a continué le déploiement des capteurs dans les écoles, parce que ce n'est pas qu'une histoire de Covid, c'est que ça indique quand même la saturation de l'air en dioxyde de carbone. Et plus l'air est vicié en dioxyde de carbone, mais moins les enfants sont réceptifs aux apprentissages et plutôt on s'endort avant le repas. Blague à part, on a continué aussi ce travail de santé environnementale au niveau de la qualité de l'air, toujours dans les écoles, dans les crèches et dans les restaurations. En s'attaquant cette fois-ci, on a fait un audit, on est en train de faire un audit des écoles et des crèches pour voir quel type de pollution, quel type de polluant il y a dans ces salles de classe ou ces salles de crèche. Donc ça, c'est l'audit qu'on est en train de produire avec le réseau Environnement Santé, les mêmes qui nous avaient aidés, qui nous aident encore d'ailleurs sur la lutte contre les perturbateurs endocriniens. Et puis toujours sur les perturbateurs, on travaille aussi perturbateurs et polluants du quotidien, comme on les appelle. On travaille tous ce qu'on appelle les produits d'entretien, ce qu'on utilise dans les classes, dans les écoles, pour avoir un air plus sain. Ensuite, Dominique Marquet, sur l'alimentation. Pour l'alimentation, deux axes principaux, les cantines et la sensibilisation aux réflexes nutritionnels. Sur les cantines, la ville d'Évry-Courcouronnes applique la loi Egalim pour une alimentation saine et durable qui impose de recourir à 50% de produits durables et de qualité, dont 20% de produits issus de l'agriculture biologique. La ville d'Évry-Courcouronnes applique
dépasse ses objectifs avec 65% de produits de qualité et dont 40% de produits d'agriculture biologique. La deuxième règle de la loi Egalim est un repas sans viande par semaine. Et ce jour-là, seuls sont servis du poisson et des œufs, pas en menu exclusif. Pour l'ensemble des participants. Sont valorisés aussi les circuits courts et les produits locaux en respectant la saisonnalité et les produits labellisés comme label rouge, appellation d'origine et produits issus de la pêche durable. Le deuxième axe, ce sont des ateliers qui sont organisés par le CCAS afin de sensibiliser la population aux bonnes bases nutritionnelles. Ce sont des ateliers qui sont organisés par une diététicienne dans le cadre des maisons de quartier ou de manifestations dans la ville. Pierre, Myriam, sur les déchets. Bonsoir, merci. Parce que les meilleurs déchets sont ceux qu'on ne produit pas, les services de la ville mènent de nombreuses actions dans les écoles, les centres de loisirs, les maisons de quartier, mais aussi pendant de nombreuses manifestations pour sensibiliser et agir contre la réduction des déchets. Cette année, nous avons souhaité mettre en avant deux événements, Essonne verte et Essonne propre, le 1er juin, où de nombreuses animations ont eu lieu dans le parc des Coquibus, dans le cadre d'une opération également proposée par le conseil départemental, et la semaine européenne de la réduction des déchets, du 19 au 27 novembre, axé cette année sur la lutte contre les déchets textiles. Dans les perspectives 2023, outre la poursuite de toutes les actions et animations, la ville continue le déploiement des bornes de tri dans les bâtiments. En plus des 42 espaces composés de deux bornes de tri déjà présents, il va être installé 118 espaces dans les maisons de quartier, les structures jeunesse, les centres de loisirs et les gymnases. Donc à présent, je vais vous parler de la lutte contre les dépôts sauvages. Les dépôts sauvages, ce sont des lieux où des habitants commettent des actes d'incivilité en apportant des déchets sur la voie publique. On a une soixantaine de points noirs de dépôts sauvages sur la ville. C'est une nuisance grave et très pénible pour l'image de la ville et qui pose aussi des problèmes d'hygiène. La lutte contre ces dépôts sauvages s'est accentuée en 2022. Avec une montée en puissance de la Brigade Verte. Nous avons identifié un nombre limité de points noirs sélectionnés comme prioritaires et la Brigade Verte a agi plus fortement sur ces points avec, avec une montée en puissance de la verbalisation, des enquêtes de recherche des propriétaires qui ont d'ailleurs permis de retrouver un certain nombre de propriétaires qui ont retiré par eux-mêmes les déchets ou qui ont été verbalisés. On a également mis en place cette année la signalisation des dépôts sauvages par de la balise explicite qui indique que ce n'est pas une manière normale de faire et il semble que ça ait aussi un effet. Vous savez que l'on a depuis longtemps un service de ramassage quotidien de ces dépôts sauvages avec un camion qui fait la tournée dans la ville. Tous les ans, il y avait de plus en plus, chaque année, plus de tonnage ramassé et cette année, les chiffres se mettent à plafonner. Voire peut-être ont baissé. En tout cas, il semblerait qu'on puisse avoir atteint un pic. Donc, est-ce que la tendance va se confirmer ? Nous l'espérons. L'an prochain, il y a des perspectives d'amélioration avec une amélioration de la communication auprès de ces points noirs. On verra si ça continue à porter ses fruits. Alors, ensuite, dans la partie nous sommes tous acteurs, c'est Mehdi pour agir ensemble. Oui, très rapidement, merci Daniel. Dans la partie tous acteurs, vous savez qu'on a la chance d'avoir plus de 10 000 étudiants sur la ville d'Évry-Courcouronnes, donc un grand campus, un certain nombre de grandes écoles, universités. Il y a un label national qui existe qui s'appelle Agir Ensemble, sous-titre Campus Durable en Ville Durable. L'idée, c'est de mobiliser aussi ces acteurs de la ville que sont ces 10 000 étudiants et de les mobiliser à travers ce label, à travers un plan d'action que l'on a. Donc on a obtenu le prolongement de ce label pour l'année scolaire, l'année universitaire 2022
2023. Et nouveauté par rapport aux années précédentes, on lance cette année le premier appel à projet à destination des associations étudiantes pour les, voilà, leur permettre de s'engager plus en amont, plus en avant avec nous sur ces sujets-là. Donc le jury se réunira à la fin du mois de février pour pouvoir délibérer et subventionner les projets que les associations étudiantes nous ont d'ores et déjà déposés. Je crois qu'on en a reçu 5 ou 6 pour une première année sur un petit budget, c'est déjà pas mal. Claude, sur les équipements de quartier. Oui, bonsoir. Rapidement, la transition écologique, c'est avant tout et surtout la pédagogie et la sensibilisation. Nos maisons de quartier sont mobilisées sur cette question, notamment les Honnêtes et les Épinettes, en organisant des ateliers qui se concentraient sur la consommation durable et responsable, et qui ont proposé aux habitants des ateliers sur la réparation d'objets cassés, inutilisés, l'initiation au jardinage, à l'art floral. Et puis, notez aussi les repères cafés qui ont lieu une fois par mois dans les maisons de quartier et les centres sociaux Brel-Brassens, excusez-moi, Bois Sauvage et Honnête, qui accompagnent les usagers dans la réparation de petits outils électroménagers et qui permettent de pouvoir augmenter leur utilisation. J'en profite ici pour passer à un sujet de perspective, mais je le fais maintenant, comme ça je ne le ferai pas après, pour évoquer la question du numérique responsable que je vous avais présenté lors du précédent conseil municipal concernant le pilote que nous faisions avec l'Agence nationale de cohésion des territoires, nous permettant de mettre en œuvre notre feuille de route, qui est une obligation légale liée à la mise en œuvre de la loi RIN et qui fait que nous allons nous concentrer dans un premier temps sur les pans de passation de marché et des achats avec, si possible, l'intégration de matériel reconditionné dans les dotations numériques des agents et puis d'actions de sensibilisation sur ce sujet. Et pour finir, Pascal, avec l'Assemblée citoyenne qui a été mobilisée. Bonsoir. Oui, au dernier conseil municipal, on avait eu l'occasion de rencontrer les représentants de l'Assemblée citoyenne qui étaient venus nous rendre leur avis. Donc juste rappeler que cette Assemblée a été créée en 2022, elle est composée de 53 personnes, 53 citoyennes et citoyens, qui ont pour objectif de construire une réflexion collective et de formaliser un avis citoyen pour venir nourrir aussi nos réflexions et nos débats et nos politiques. Cette année, le sujet qu'ils ont travaillé, donc c'était la première saisine sur la place de la voiture en ville. Ils nous ont présenté deux axes qui se dégageaient de leurs travaux, développés et initiés à l'usage des modes alternatif à la voiture individuelle et puis réguler la place de la voiture. Et nous avons eu une quarantaine de propositions aussi qui découlaient de ces différents axes. Juste rappeler aussi que dans les 17 objectifs de développement durable de l'ONU, le quatrième est celui sur l'éducation durable, et l'éducation durable, c'est aussi l'éducation à la citoyenneté par le développement de ces pratiques de participation, donc la boucle est bouclée. Merci à toutes et tous. Je pense que cet exercice à plusieurs voix est important et montre encore une fois la porosité, la transversalité de ce sujet dans l'ensemble de l'action municipale. Est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport, Madame Ravni? Merci, Monsieur le maire. Petite question concernant les capteurs de CO2. Vous pouvez me dire combien vous en avez mis dans les écoles depuis? Et concernant la brigade de verte, combien d'agents il y a dans cette brigade? Est-ce que vous pouvez nous donner le nombre de fonctionnaires? Merci. Les capteurs de CO2, je crois que je l'avais peut-être déjà dit, mais bon, c'est pas grave. On les a mis dans toutes les salles de restauration, de cantine. Hein. C'était au début, à l'époque, où les enfants étaient masqués en classe, mais n'étaient pas masqués à la restauration, et c'était pour ça. Ça indiquait, en fait, à quel moment il faut aérer, ouvrir les fenêtres. Et pour les classes, compte tenu premièrement du nombre de classes et du prix dans les capteurs Aranet, je ne sais pas si vous savez, ça coûte précisément 231 euros par pièce,
et les remboursements de l'État, d'ailleurs, je ne sais même pas si on les a vus. Non, on ne les a pas vus. Alors, on ne les a pas vus. Les remboursements de l'État étaient prévus à hauteur de 50 euros par capteur. Donc, on a considéré qu'on n'allait pas équiper toutes les classes. Et en plus, ça n'a d'abord financièrement, un. Et de deux, que ça n'a pas vraiment de sens. On en a mis deux par école. Et en fait, d'ailleurs, il y a des collègues enseignantes dans la salle qui l'ont expérimenté. L'enseignant prend le capteur, regarde comment ça fonctionne, c'est-à-dire à partir de combien de temps il faut le taux monte au-dessus de 500, 600, 800 ppm, et à partir de quel moment il faut ouvrir la fenêtre. Mais au prix du capteur, on n'allait pas équiper les 500 salles de classe de la ville, ça faisait quand même un gros budget. Et ben, je vais calculer. Alors 50 x 2, ça fait 100, plus 50 restos, ça fait 150, plus les crèches. Allez, on a 200 capteurs. Comme ça, hein, mais je pourrais... Pierre, sur la brigade verte. Oui, et donc sur la brigade verte, j'ai vérifié les derniers chiffres. Donc on a 5 postes ouverts. On avait commencé l'année à 1, puis 2, puis 3 récemment. Et on a encore 2 postes qui sont ouverts, mais non encore pourvus. Merci Pierre. En rappelant quand même pour la forme, hein, juste quand même, que la brigade verte ne devrait d'ailleurs pas être de compétence ville. C'est un choix politique que nous avons fait et que nous assumons vis-à-vis de la population sur une compétence qui est plutôt une compétence d'agglomération. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Madame Béraud. Alors, juste pour revenir sur quelques points, notamment sur l'énergie. La communication de l'automne de la municipalité est reprise sur la réduction de 2 degrés de température dans les équipements municipaux, mais est-ce suffisant ? Des efforts ont-ils été faits sur l'éclairage, y compris des équipements municipaux qui restent allumés la nuit ? Et quel travail vers le secteur privé, avec pas mal d'enseignes qui restent allumées toute la nuit ? Géothermie et chauffage urbain par les déchets, c'est bien, mais cela se traduit-il concrètement sur la facture des usagers ? Pour les mobilités, OK pour le développement du vélo, mais les pistes existantes, nombreuses, tardent à être rénovées, voire entretenues. Les trottinettes pony, nous constatons aussi le succès, mais il y a clairement le besoin d'amplifier le travail de sensibilisation sur la pratique, les dangers, le partage de la route et les chemins doux, le stationnement. Alors, sur la santé, environnement, bah, rien à signaler. Apparemment, il y a un audit qui est en cours, donc à suivre. Sur l'alimentation, application de la loi Egalim dans les cantines, donc 50% de nourriture durable, un repas végétarien par semaine, à suivre aussi ce que va donner le nouveau prestataire depuis le 1er janvier 2023, c'est-à-dire Sodexo. Concernant les déchets, on note des changements de la collecte depuis le 1er janvier avec moins de passages dans le pavillonnaire, 3 fois par semaine pour le collectif, mais on attend toujours les composteurs annoncés dans nos quartiers pour réduire les déchets ménagers. Sur les dépôts sauvages, les annonces, on en a eu de moyens en hausse pour enrayer le phénomène. Le changement sur la collecte des encombrants va-t-il aider à cela ? Merci pour vos réponses. Pierre, sur la plupart des questions, en fait, et puis Lucas, sur la partie mobilité. J'ai juste pas noté la dernière question, la toute dernière. J'ai terminé le chauffage urbain par les déchets, c'est ça ? Oui, et la toute dernière, c'était ? Oui, oui. Très bien. Allons-y. Donc... pour la question des 2 degrés de température, est-ce suffisant ? Si on m'écoutait que moi, je mettrais beaucoup moins. Maintenant, on est dans une collectivité. Je crois que si on allait chez Stéphane, ce serait même encore plus bas que chez moi le matin. Maintenant, on est dans une collectivité et il faut faire avec tout le monde quand même.
Et je sais que les 19 degrés, il y a déjà des gens qui râlent. Donc, il y a un moment, il faut choisir un compromis. Je pense qu'on est à un compromis pas mal, là. On verra dans un ou deux ans si c'est largement accepté. Bah, peut-être qu'on mettra 18, j'en sais rien du tout, je ne sais pas dire. Comptez sur moi pour le proposer. Comptez pas. Après, je ne sais pas si... Je ne sais pas si on ira jusque-là, voilà. Je vous le dis comme ça. Mais déjà, moins de deux, déjà revenir à 21, c'était quelque chose. Faire moins de degrés, ça faisait dans les moins 15% d'économie. Donc déjà, on a quelque chose qui, moi, me paraît déjà un bon geste. Ensuite, sur le secteur privé. Donc sur le secteur privé, oui, en effet, pour l'instant, le secteur privé est privé. On n'a pas la main pour l'y obliger. Alors on a quand même un petit peu la main par un outil qu'on va mettre en révision cette année qui est le règlement local de publicité et dans lequel il y a certains leviers qu'on a à notre disposition pour réglementer ça et en effet on va voir ce qu'on peut y mettre pour obliger l'extinction au minimum des enseignes lumineuses à une certaine heure ou après la fin d'occupation des locaux. Il y avait aussi une question sur les équipements municipaux. Est-ce qu'on y fait de l'investissement ? Oui, j'ai détaillé de plusieurs investissements qu'on y fait, soit des rénovations lourdes, soit des rénovations partielles, soit des investissements sur l'outil de chauffage. Après, il y avait ce qu'on appelle pour les déchets le passage en C1. C1 voulant dire collecte une fois par semaine. Avant, on était en C2, collecte deux fois par semaine. Il y a des villes où on est en C05, collecte une fois tous les 15 jours. Ce passage en C1 a été fait uniquement sur les zones pavillonnaires dont on savait qu'elles étaient où ça ne poserait pas de problème parce qu'elles n'étaient pas saturées. Les locaux poubelles n'étaient pas saturés. Donc, il y a des zones pavillonnaires qui ont un petit local poubelle pour plusieurs maisons et les locaux poubelles sont souvent assez saturés. Ceux-là, on les a gardés en C2. On a fait cela. D'ailleurs, c'est l'agglomération qui a décidé cela avec notre accord pour plusieurs raisons. C'est parce que ça diminue les tournées. Donc, on diminue la quantité de gasoil qu'on met dans les camions. Et donc, c'est plus écologique et c'est plus économique. Et dans cette période où il y a parce que personne n'en parle jamais, et on abîme beaucoup moins les voiries qui sont moins à rénover. Je rappelle que la plupart de nos cités pavillonnaires, ce sont des voiries en enrobé sur du sable, ce ne sont pas des infrastructures de route, et quand on n'y fait pas passer des camions, c'est des dizaines de kilomètres de voiries que nous n'avons pas à refaire. Exactement. Non, mais c'est pas le sujet. D'abord, vous n'avez pas demandé la parole, donc on va. Je vous le dis, Monsieur Serigi, vous le dis à chaque conseil municipal. Voilà. Donc, quand vous voulez prendre la parole, vous sollicitez la parole. Vous ne la prenez pas comme ça à la hussarde. Et ce que vous évoquez, vous ne demandez pas la parole et vous parlez. Là, en l'occurrence, vous n'avez pas la parole. Donc, on hérite de la ville qu'on a, et en effet, pour ces trois raisons, c'est plus écologique et plus économique. Il faut savoir qu'il y a des gros facteurs qui font que le traitement des déchets augmente très fortement. Il y a la hausse des coûts de l'énergie, il y a l'inflation générale, et puis il y a la hausse des taxes sur l'enfouissement. Et de manière globale, en moyenne sur la France, le traitement des déchets a augmenté de 10 à 20%. Et le passage en C1 était une manière d'économiser aussi pour atténuer cette augmentation. Et ça a marché puisque sur l'agglomération on économise quand même 1,6 million d'euros. Sur le compostage, alors les composteurs individuels sont disponibles sur simple appel à l'agglomération. Sur simple appel à l'agglomération, on a un compostage individuel. Les composteurs collectifs, on est en train d'en installer, il y en a qui ont été installés. Par exemple, il y en a un au Bois Guillaume qui a été installé récemment. C'est vrai que là-dessus, on n'est pas encore à un rythme massif de déploiement. Oui, on n'est pas encore sur un rythme de développement aussi massif que sur d'autres choses. Par contre, au 1er janvier 2024, il y a l'obligation de collecte des biodéchets. Et ça, on y travaille activement à l'agglomération. Et le compostage
collectif et le ramassage de biodéchets en vue de les méthaniser seront deux options que l'on va, à partir de cette date-là, fortement développer au niveau local dans les quartiers. Enfin, sur la facture de l'usager, donc à Vers-le-Grand, les déchets, les ordures ménagères sont incinérées. La chaleur issue de cette incinération depuis l'hiver 2019 alimente notre réseau de chaleur. Et c'est une chaleur qui est un coût très compétitif. Elle est à 18 euros le mégawattheure, alors que le gaz, lui, était aux alentours de 70 euros le mégawattheure dans les années où il n'était pas cher. Et maintenant, il est dans les 100, 150 euros le mégawattheure. Donc, l'impact de cette incinération de déchets qui alimente le réseau de chaleur, c'est qu'on a la moitié de la chaleur qui est à 18 euros au lieu d'être à 100, 150. Voilà. Merci Pierre pour ces réponses très complètes. Monsieur Courteau. Oui, j'aurais une question en fait plutôt orientée à Monsieur Pro. Désolé. En fait, vous avez expliqué qu'on avait fait une économie de 2000 mégawattheures du fait de la réduction de la chaleur. J'aimerais savoir, puisqu'on entend dans l'actualité que les boulangers ferment leurs fours avec des augmentations de tarifs parfois 7, 10, 3. Donc j'aimerais savoir ce qu'il en est pour la ville d'Évry-Courcouronnes du coût du mégawattheure en termes de facturation, ou kilowattheure. Et puis la deuxième chose, c'est que j'aimerais en fait témoigner. J'ai été au salon Evolution à Paris qui traite de l'hydrogène. Et donc il y a Madame Pécresse aussi qui est venue suite à l'inauguration du lycée Mendès France. Et en fait c'est un secteur qui... en pleine explosion, puisqu'on passe de 3000 emplois aujourd'hui à 100 000 emplois prévus en 2030, avec toute une mutation des chaînes de transport, notamment pour le transport lourd, donc les camions poubelles, les bus, les trains, etc., les bateaux. Et est-ce que la ville d'Évry-Courcouronnes s'intéresse à ce domaine, puisque nous avons Génopole, peut-être qu'il y en a déjà des utilisations. Et puis, comme je sais que M. Pro, vous avez géré... la transformation des stations d'épuration pour produire du méthane, et en l'occurrence, on peut transformer du méthane en hydrogène, sachant que l'hydrogène n'est pas une source énergétique, mais un vecteur énergétique, mais qui permettra de lutter demain contre le CO2. Merci. Attends, on va prendre la dernière question là-bas. Alors, ma question est adressée à M. Pierre. Je veux bien, et s'il est possible de savoir... après rénovation des bâtiments et autres, est-ce que vous avez un bilan pour l'année écoulée? Est-ce qu'on peut le savoir? Est-ce que vous avez fait des économies? Vous avez un bilan énergétique pour l'année écoulée? Après rénovation des bâtiments, entre autres scolaires et logements. Merci. Une autre question pour ne pas les oublier. Monsieur Pierre. Donc M. Pierre n'a pas toujours beaucoup de mémoire, donc il est obligé de noter. Alors, pour le coût des énergies, oui, en effet, donc ça explose pas que chez les boulangers, ça explose aussi sur notre budget. Le prix de l'électricité qu'on achète au CIPEREC va faire environ x2, donc passer de 150-200 euros à 350 ou 400 euros le mégawattheure. Et ça, je vous le dis de mémoire, donc je n'ai pas le chiffre exact, mais c'est les bons ordres de grandeur. Et le prix du gaz va faire dans les x4. On achète le gaz au CIGIF pour cette année, pour l'année 2023. Ensuite, la ville d'Évry-Courcouronnes s'intéresse à l'hydrogène, mais pas en tant que ville d'Évry-Courcouronnes, c'est via GPS, parce que c'est GPS qui a la compétence énergie renouvelable. Donc, bon, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais en effet, on va s'y intéresser surtout pour la distribution, pour la mobilité. Et puis, je reporte quand même le débat à GPS, parce que c'est plutôt là-bas le lieu. Mais on va en faire. Sur la méthanisation où on peut faire de l'hydrogène, pour le moment à Confluence, on va se concentrer sur du méthane parce que c'est simple à faire, ça va générer 1,3 million d'euros de recettes qui vont être ceci en moins à dépenser sur la facture d'eau des usagers. Les investissements vont se terminer en juin et normalement en juin on va inaugurer le premier mètre cube de gaz vendu sur le réseau GRDF, le premier mètre cube de biogaz généré par la station d'épuration. Pour l'instant, il n'est pas prévu d'aller plus loin vers l'hydrogène parce qu'on a déjà un modèle qui marche là-bas.
Et enfin, sur la rénovation, non, je n'ai pas aujourd'hui de bilan sur les économies que nous ont fait les travaux. J'ai donné tout à l'heure un pré-bilan qui est d'environ moins 22% de consommation constatée par les mesures de sobriété. Le bilan sur qui est dû spécifiquement aux travaux, c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut que je fasse extraire pour les années suivantes. Je vous donne rendez-vous l'an prochain. Merci Pierre. Je crois qu'on peut prendre acte que ce débat... Monsieur Serigi. Micro, monsieur Serigi. Putain, à chaque fois, qu'est-ce que vous voulez, j'ai la voix qui porte et malheureusement, je n'utilise pas trop le micro. C'est pas grave. La voix qui porte, ça ne permet pas d'enregistrer le conseil c'est municipal. Ah oui. Monsieur Pro, une question pour vous. Concernant l'éclairage public et les bâtiments publics, est-ce que vous n'avez pas prévu ou faire des propositions concernant une énergie renouvelable pour faire des économies encore plus? Alors là, en l'occurrence, maintenant, vous pouvez couper le micro. Pardon ? Vous coupez le micro. Non, mais on finira par y arriver. Hein. Alors, sur l'éclairage public, il y a plusieurs points. Il y a déjà l'éclairage dans les bâtiments, où on a commencé à remplacer un certain nombre d'éclairages par des LED qui sont moins consommatrices. Ça, c'est commencé. Et où on va amplifier le mouvement sur 2023 de manière massive. Sur l'éclairage public, il y a une production d'ENR, et ça, c'est la compétence de GPS. Par contre, les ENR qui se produisent la nuit, il n'y en a pas des masses. Par contre, GPS a aussi la compétence sur l'éclairage public et a aussi donc la compétence de migrer notre parc de lampadaires vers des LED qui consomment moins. Et enfin, sur l'éclairage public, en partenariat avec GPS, on va prendre des mesures de sobriété, c'est-à-dire des coupures d'éclairage la nuit ou en plein milieu de la nuit et puis des réductions d'intensité d'éclairage qu'on va prendre de manière expérimentale sur des quartiers bien précis et en fonction des résultats de cette expérience on étendra ou pas à d'autres quartiers de la ville. Merci Pierre. Nous prenons donc acte que ce débat a bien eu lieu en remerciant à nouveau M. Courteau. Non, je voulais juste apporter un élément de réponse à M. Asdine, puisqu'effectivement, il y a une nouvelle technologie en termes d'éclairage qui s'appelle la bioluminescence et qui est développée au Génopole par une société qui s'appelle Woodlight, et qu'en l'occurrence, Rambouillet s'est engagé... Glowy. Comment ? C'est Glowy. Glowy. La start-up qui oui, porte le projet Glowy, que excusez-moi évoque, pour l'erreur. C'est Glowy. Et donc, il y a des nouvelles pistes qui sont en mode de développement. Merci bien. Nous prenons donc acte que ce débat a bien eu lieu. Point numéro 5, communication des statuts de l'association CAP. Médisez-vous. Merci. C'est pour faire suite au précédent conseil municipal où on a délibéré pour que la ville entre dans la nouvelle association que l'on a créée pour porter le centre d'art, architecture, paysage, patrimoine, 6 Maison Sainte-Geneviève, avenue de Ratisbonne. Et donc, tout ça pour vous dire que l'AG constitutive de l'association s'est donc tenue après le conseil municipal le 13 décembre dernier, que deux coprésidents et un trésorier pour constituer le bureau pour pouvoir déposer les statuts ont été élus. Je suis un des deux co-présidents, le deuxième étant Antoine Aubinet, qui est le directeur de Bellastock, vous savez, cette association liée aux écoles d'architecture de la ville de Paris qui porte le festival Bellastock, qui vivra d'ailleurs sa troisième et dernière année cet été sur le CAP. Et donc, dans le cadre de la délibération qu'on a prise la dernière fois, puisque nous sommes membres... membre constitutif, effectivement, membre fondateur, pour être précis, de l'association, eh bien, nous avions obligation de transmettre au conseil municipal les statuts de l'association qui ont été déposés. C'est la raison pour laquelle vous avez ce petit pavé avec l'ensemble des statuts. Voilà. Merci Mehdi. Y a-t-il des questions sur ce point ? Il n'y en a pas. Des votes contre ? Non, c'est un prenez acte. Merci Mehdi. Point numéro 6, Stéphane. Merci, bonsoir à tous. Un point concernant le cimetière intercommunal qui est situé donc sur la commune de Bondoufle, qui accueille les opérations funéraires de notre commune ainsi que celles de Bondoufle et de Lys. La communauté d'agglomération Grand Paris Sud, au titre de ses compétences facultatives, est compétente en matière de création, d'extension et de gestion de ce cimetière intercommunal. Afin d'améliorer les services rendus, un projet d'extension et d'aménagement de cet équipement a été engagé par GPS pour proposer des offres funéraires nouvelles et innovantes. La mise en service de l'extension du cimetière est effective ce mois-ci. Afin de prendre en compte ces nouvelles offres funéraires, il convient d'adapter et de mettre à jour le règlement intérieur du cimetière, la convention d'utilisation
conclu avec chaque commune utilisatrice et les tarifs. Le règlement intérieur s'applique aux communes et aux usagers. Il contient donc toutes les règles qui sont relatives à l'équipement et à l'utilisation du cimetière. Ce règlement intérieur est effectif depuis le 1er décembre 2022. C'était voté par la communauté d'agglomération en novembre de l'année dernière. Son actualisation prend en compte la diversification de l'offre funéraire, la création de nouveaux secteurs et de subdivisions et l'ajout de nouveaux types de concessions temporaires, comme les columbariums, les cavernes et les espaces d'enfouissement pour les urnes biodégradables. La convention d'utilisation du cimetière organise le périmètre d'intervention de GPS et des communes. L'actualisation de cette convention comprend donc l'entretien de l'équipement dans son intégralité, l'ouverture et la fermeture du cimetière dans les conditions fixées par le règlement intérieur, la surveillance par un gardien logé sur place et les conditions de mutualisation du logiciel de gestion du cimetière. Enfin, il y aura le rôle du comité de suivi qui va être mis en place et qui se réunit normalement une fois par an. La convention sera conclue pour une durée de 5 ans à compter de la date à laquelle elle est rendue exécutoire et renouvelable par tacite reconduction une fois pour la même durée. Pour ce qui concerne notre commune, elle prend en charge la maintenance et l'assistance liée à la mutualisation du logiciel de l'utilisation dans le cadre du périmètre communal, avec un coût donc qui est variable en fonction du nombre d'emplacements et des équipements. Donc le comité de suivi qui, je l'ai indiqué, se réunit une fois par an. Et donc GPS propose de fixer les tarifs des nouvelles offres funéraires que vous avez en gris dans le tableau qui suit. Et donc il est demandé au conseil municipal d'approuver le nouveau règlement intérieur du cimetière intercommunal et d'approuver les termes de la convention d'utilisation du cimetière, à conclure avec GPS, d'autoriser monsieur le maire à la signer et de prendre acte des nouveaux tarifs du cimetière municipal. Je vous remercie. Merci Stéphane, c'était très clair. A-t-il des questions sur ce point ? Il n'y en a pas. Des votes contre, des abstentions. Je vous remercie. Point numéro 7, Corinne. Merci. Bonsoir. Le règlement de fonctionnement des établissements d'accueil du jeune enfant est un document qui régit l'activité et l'accueil de l'enfant et de sa famille dans nos équipements municipaux. Il est obligatoire et il précise les modalités d'accueil, la tarification, la prise en charge médicale, ainsi que toutes les dispositions contractuelles. Il précise également les modalités de prise en charge des enfants porteurs de handicap, tout comme les mesures à prendre dans les situations d'urgence ou la délivrance de soins spécifiques. Le règlement de fonctionnement doit être mis à jour chaque année, notamment sur ce qui concerne les mouvements des personnels de direction, la tarification familiale et le protocole médical. Je soumets donc à l'approbation du Conseil le règlement de fonctionnement actualisé. Je vous remercie. Merci Corinne, c'est strictement le même que l'année dernière, c'est un renouvellement CAF obligatoire. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point ? Il n'y en a pas. Des votes contre ou des abstentions ? Je vous remercie. Point suivant. Les crèches parentales, les Boutchou et les Pichoun sont des établissements d'accueil de jeunes enfants associatifs. Elles fonctionnent avec le même cadre réglementaire que les équipements municipaux. Toutefois, composées de 14 places chacune, elles se distinguent par l'implication des parents dans leur fonctionnement, aux côtés d'une équipe de professionnels, salariés et diplômés. L'activité des crèches parentales s'inscrit dans le cadre de la politique communale en matière d'accueil et permet par ailleurs la diversification de son offre petite enfance. Pour développer cette offre dans un environnement sécurisé et dans le respect des principes républicains et laïcité de la ville, met à disposition de chaque équipement un appartement consenti à titre gratuit, alloue à chacune une subvention annuelle de fonctionnement, permet l'accès à une tarification ville pour les repas des enfants accueillis. Les conventions proposées au vote du Conseil cadrent l'ensemble de ces dispositions. Je vous propose d'en approuver les termes et d'autoriser le maire à signer les conventions. Je vous remercie. Merci Corinne. Idem, c'est des renouvellements annuels. Y a-t-il des questions ? Il n'y en a pas. Des votes contre, des abstentions ? Je vous remercie. Point numéro 9, Freddy. Merci Monsieur le maire. Chers collègues, dans notre politique de lutte contre les RICS, fléau malheureusement qui touche pas mal de quartiers du territoire national, hein, pas que Évry-Courcouronnes, plusieurs actions sont mises en partenariat avec des associations et des institutionnels. Alors notre délibération porte sur une convention entre le service de la médiation,
et l'association Réseau pour des actions inter-quartiers sous forme de séjours de rupture organisés en dehors de la ville. Il s'agit d'une complémentarité entre le travail de terrain actif de la médiation et la capacité du personnel de Réseau à encadrer les jeunes les plus à risque ou engagés dans les RICS. Pour assurer le bon déroulement du projet, le service médiation participera aux différentes réunions de préparation des séjours de rupture et à la définition des modes d'intervention et de coopération avec l'association Réseau. Le but est de s'informer du climat existant entre les jeunes, de l'ambiance au sein des quartiers et spécifiquement des situations individuelles identifiées comme pouvant trouver leur place dans le projet. Pour 2023, il a été inscrit un budget de 600 euros correspondant environ à 5 stages de 3 nuitées. Donc la commune s'engage à payer à hauteur des frais réels de prestations payantes consommées par son personnel dans le cadre des actions organisées, c'est-à-dire hébergement, repas et activités. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver le terme de la convention de partenariat et de conclure la ville à conclure entre la ville et l'association Réseau. Merci Freddy. Des questions sur ce point? Coupe le micro, Freddy. Juste pour savoir, en fait, quel est le lien entre l'association et le club de prévention OSE? Est-ce que c'est l'anagramme? C'est quoi exactement? Oui, effectivement, on s'est tous posé la question. En fait, Réseau, c'est juste au niveau de tout ce qui est, que je ne dise pas de bêtises, c'est juste le statut juridique pour, qui permet de signer des conventions. Voilà. Mais c'est bien osé. Pas d'autres questions. Ouais, parfait. Pas d'autres questions, pas de vote contre, pas d'abstention. Je vous remercie. Point 10, Freddy, toujours? Allez, t'es lancé. Alors là, il s'agit de renouveler la convention partenariale qui lie la commune à l'association des champs, qui est gestionnaire de l'équipement municipal, donc la maison de quartier, centre social des Champs-Élysées, dont le périmètre d'action est prioritairement Champs-Élysées, Grandbourg, Parc Aubiche, Jean-Paul Sartre. L'équipement qui est agréé, justement, centre social, doit être un lieu d'animation, donc un lieu de proximité à vocation sociale et globale, à vocation familiale et plurigénérationnelle, un lieu d'initiative des habitants et leur implication dans les dynamiques de développement social local. Avec pour objectif des actions en direction de la parentalité, le contrat local d'accompagnement social, les ateliers sociolinguistiques, les réunions d'information, les orientations en direction des structures ressources du territoire et de l'agglomération. Sachant qu'il existe déjà des permanences de la Maison des Solidarités, du Centre d'information pour les droits des femmes et des familles, un lien avec le PAD, le CCAS également, et une relation avec Dynamique Emploi pour la jeunesse. L'association a mis en place un projet de reconnexion avec la nature, donc de la découverte de la biodiversité, entretenir et animer les outils pédagogiques, donc la réalisation d'un petit jardin et le verger. Un partenariat avec les écoles avoisinantes est également réalisé. La commune donc s'engage, en plus des locaux, une mise à disposition de 5 emplois à temps plein, donc une directrice actuellement, un secrétaire comptable, un agent d'accueil, un référent jeunesse, un référent social. Également l'intervenante ASL et les intervenants saisonniers. Également une subvention de fonctionnement équivalente à celle de l'année dernière, donc à hauteur de 42 000 euros, plus 5 000 euros pour le projet environnement. L'association a sa responsabilité du recrutement d'un comptable, d'un chargé référent senior animatrice, d'un animateur jeunesse et de l'encadrement du personnel vacataire. La convention sera conclue pour l'année 2023 et sera renouvelable annuellement dans la limite de 2 fois. Il vous est demandé
de valider les termes de la convention d'objectifs avec l'association des champs et d'autoriser Monsieur le maire à la signer. Merci Freddy, en ayant des remerciements sincères à l'endroit d'Anne-Marie, de Francis et de toute l'équipe de l'association et du centre social. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point ? Pas de vote contre, pas d'abstention. Je vous remercie. Point suivant, Sandrine. Oui, bonjour à tous. Merci, monsieur le maire. Il s'agit d'une approbation d'une convention cadre d'expérimentation en faveur de la production du logement et du renforcement de la mixité sociale. Je vais vous donner d'abord quelques chiffres. L'agglomération Grand Paris Sud regroupe plus de 341 000 habitants répartis sur 23 communes. Ce territoire compte 19 quartiers politiques de la ville. 10 quartiers sont concernés par une opération de rénovation urbaine et une hors codine. L'agglomération dispose donc d'un parc social de 44 425 logements sociaux, soit 32,7% du parc total des résidences principales. Ceci étant dit, le préfet de l'Essonne et Grand Paris Sud ont proposé aux communes, aux bailleurs sociaux et à Action Logement de s'engager sur une expérimentation et de signer une convention ayant pour objet principal d'amplifier la production de logements et de mettre en œuvre une stratégie d'occupation du parc social et de renforcement de la mixité sociale. Tout cela en fixant trois objectifs, amplifier la production de logements sociaux sur les communes déficitaires. Je vous rassure, ce n'est pas le cas sur Évry-Courcouronnes puisque nous avons 49,6% de logements sociaux. Construire un observatoire de l'occupation et des attributions, développer de nouveaux outils de mixité. Cette expérimentation est prévue pour une durée de 2 ans, renouvelable 1 an par tacite reconduction. Plusieurs dispositifs sont envisagés à ce titre, comme déplafonner les ressources pour l'attribution d'un logement social en QPV, faciliter l'accès des plus modestes au logement social hors QPV, échanger les droits de réservation pour dynamiser les quartiers ou mieux accompagner dans le logement social les publics fragiles. La commune a sollicité des bailleurs sociaux du territoire pour participer à cette expérimentation et Essonne Habitat et Antin Résidences ont donné leur accord sur les QPV suivants. Essonne Habitat, quartier Canal, Place des Copains d'abord, Jacques Brel, Square de la Brave Margot pour 78 logements. Essonne Habitat toujours pour les Honnêtes, Impasse de la Chalouette, rue de l'Essonne pour 214 logements. Et Antin Résidence Pyramide, Prévert et Rosenberg, 196 logements et Mallarmé, 157 logements, soit un total de 645 logements. Il est donc demandé au conseil municipal d'approuver les termes de cette convention. Je vous remercie. Merci Sandrine. Y a-t-il des questions sur ce point ? Il n'y en a pas. Des votes contre, des abstentions. Je vous remercie. Point numéro 12, Jean Caron, avec un titre de délibération qui te plaît bien. Oui, 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 chers collègues, vous avez reçu ce rapport de 4 pages qui vous a expliqué la théorie de l'imprévision, hein, qui constitue la première partie de notre programme 2023 sur la physique quantique. Vous avez donc 4 heures. Plus sérieusement, il s'agit d'apporter une solution simple à un problème qui est assez compliqué, puisque vous le savez, dans le cadre de la commande publique, le mécanisme de modification et de révision des prix est très fortement limité et contrôlé. Cela de manière à éviter toute tricherie et toute atteinte à la concurrence. Il se trouve que dans le contexte actuel, c'est devenu un vrai facteur de complexité, puisque si vous êtes limité à une révision de prix de 5%, comme il se fait dans certains contrats, alors que vous avez vos matières premières et les prestations des opérateurs qui prennent 50, 100%, voire 150%, ben tout le monde est planté, c'est-à-dire à la fois le client et le fournisseur. Donc la loi, dans sa grande supériorité, a enfanté la théorie de l'imprévision qui instaure 3 critères qui permettent de déterminer si on est bien dans cette imprévision ou pas. Il s'agit de l'imprévisibilité du phénomène, de l'extériorité de ce phénomène aux parties en cause, et enfin d'un impact tel que l'économie du contrat serait bouleversée. Voilà ce qui s'appelle donc la théorie de l'imprévision. Le gouvernement, dans une circulaire du 27 mars 2022, puis le Conseil d'État, en septembre, ont recommandé d'appliquer la théorie de l'imprévision pour répondre à la forte hausse du coût des matières premières. Il est donc objet pour nous, au cas où on souhaiterait mettre en œuvre les moyens d'application de cette théorie, d'approuver un modèle de convention qui suit l'expression des 3 critères et d'autoriser Monsieur le maire à signer toute convention qui reprendrait ce modèle. Merci Jean, tu auras décidément tout fait, même de l'imprévision. Mamero.
Ben, en fait, je veux juste comprendre. Là, ça veut dire quoi exactement? On va donner un pouvoir supplémentaire au maire sans passer par les commissions? Comment font les autres communes? Oui, on ne donne pas un pouvoir supplémentaire au maire. On extend, c'est pas français, on étend le cadre des autorisations de dépenses pour éviter que, par exemple, un projet d'école soit complètement planté parce que l'ensemble des opérateurs sont eux-mêmes plantés, parce que leurs coûts ont tellement augmenté qu'ils dépassent la fourchette qui est normalement donnée à la collectivité pour discuter une augmentation de prix. Donc là, en fait, si on arrive à prouver que c'est imprévisible, donc on ne pouvait pas le prévoir, que ça ne dépend d'aucune des deux parties, ni le client, ni le fournisseur, et que le phénomène est tellement important que ça ruine l'économie du contrat, c'est-à-dire que non seulement le fournisseur ne rentre pas dans ses coûts, mais le client ne rentre pas dans son besoin, à ce moment-là, il y a une capacité d'extension de la discussion pour aller au-delà des seuils en termes d'augmentation de prix. Voilà. Ah ben c'est une proposition qui est faite par l'État à toutes les collectivités pour solutionner ce genre d'impasse. Merci à vous. S'il n'y a pas d'autres questions, Monsieur Serigi. Juste une petite question. Il n'existe pas une formule du BTP pour réexaminer chaque année, comment dirais-je, le DQE, la somme à payer? Oui, alors, dans toutes les filières, il existe effectivement des formules de révision qui sont basées sur des indices. Comme vous avez l'air de connaître le sujet, vous savez que ces indices, les fourchettes sont pas énormes. Mais là, on parle de tout à fait autre chose. On n'est pas sur une réévaluation du prix en fonction de l'évolution des indices. On est en train de parler d'une enveloppe d'un contrat qui ne peut absolument pas absorber une augmentation du coût des prestations ou du coût des matières premières. Donc les indices ne suivent pas exactement ces évolutions-là. En tout cas, pas dans un délai d'une année. Et pas dans un contexte d'inflation comme celui que nous connaissons. Merci. Absolument. Jean, s'il n'y a pas d'autres questions, est-il des votes contre, des abstentions? J'ai pas compris, c'est contre ou c'est abstention? Abstention. Je vous remercie. Michel Bonafous pour un prendre acte. Oui, c'est beaucoup plus simple. Hein. Donc, conformément à l'article 22-41 du Code général des collectivités territoriales, vous le savez, tous les ans on fait la même chose, nous devons faire le bilan des acquisitions et cessions immobilières opérées par la commune sur l'année N-1, donc l'année 2022, et présenter au conseil municipal qui doit prendre acte de cette communication par délibération. Nous avons fait 3 acquisitions d'un montant de 5 782 000 euros et 12 cessions d'un montant de 1 188 196 euros. L'ensemble de ces éléments, d'abord, vous les connaissez puisque vous les avez vus toute l'année et vous les avez dans le bilan qui vous est présenté. Merci Michel. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y en a pas. Nous prenons donc acte que cette information a été délivrée en conseil municipal. Le gros morceau du conseil de ce soir, mon cher Jean, si tu pouvais nous faire une présentation la plus simplifiée, la plus succincte possible, dans la mesure où tu nous as fait déjà par le menu un très beau et long débat lors du DOB, débat d'orientation budgétaire il y a quelques semaines, présentation du budget 2023. Oui, effectivement, c'est vrai qu'on est allé très loin dans les détails lors du débat d'orientation budgétaire de décembre. Donc l'intérêt du rapport que vous avez reçu, là, qui avec la maquette budgétaire complète fait à peu près 160 pages, c'est en fait qu'il matérialise, il fige les chiffres qui sont issus de ce débat d'orientation budgétaire. Donc vous avez un résumé très synthétique de la construction budgétaire pour 2023 à l'écran. Ce budget est constitué donc d'un budget en fonctionnement en équilibre à hauteur de 118 399 953 euros. Et puis un budget d'investissement en équilibre également à hauteur de 76 115 000 euros et 82. Alors, comme je le dis souvent, la bonne façon d'étudier ce type de document, c'est essentiellement de se focaliser sur les chiffres clés. Vous savez qu'à la fois en dépenses et en recettes, la totalité du budget est lisible et compréhensible à partir des 3 plus gros postes. Donc si on commence par notre budget de fonctionnement, vous savez que j'aime bien commencer par les recettes, puisqu'avant de dépenser, ce n'est pas inutile de savoir ce qu'on peut financer. Vous avez donc les 3 postes principaux de notre budget qui représentent 93% au total
des montants engagés. Donc la lisibilité, vous l'avez assez rapidement en étudiant trois lignes. Ce budget, il est en augmentation de 4,46% comparé au budget primitif de l'année dernière. Et donc les postes principaux sont évidemment la fiscalité, hein, impôts et taxes pour 77 778 000 euros et 74 euros, pardon. La deuxième partie de ce budget, elle est évidemment constituée des dotations et participations, donc en gros du soutien de l'État et des autres collectivités pour 32 107 242 euros. Et puis, et c'est à souligner, notre troisième poste de ressources, et ce n'est pas toujours le cas, c'est le produit des services du domaine et des ventes diverses qui vont représenter 7 244 250 euros. En termes de dépenses, nous avons en face de cette augmentation de 4,46% exactement le même montant qui doit caper nos dépenses. Et là aussi, il est assez simple, et vous y êtes habitué, d'observer les 3 à 4 éventuellement postes principaux de dépenses. Vous savez que dans notre collectivité, c'est bien évidemment les charges de personnel qui représentent le premier poste de dépenses à hauteur de 51%, 60 265 900 euros. Viennent ensuite les charges à caractère général. Alors, j'en ai parlé un petit peu lorsqu'on a parlé de la théorie de l'imprévision. Il vous a été dit par Pierre Praud tout à l'heure que certaines charges avaient littéralement explosé. Et donc, on a une prévision de croissance de près de 15%, un peu plus de 14,45%, sur un budget de 37 772 639 euros et 56 centimes. Et puis, qui viennent s'ajouter à ces charges générales, des charges de gestion courante qui, globalement, par exemple, contiennent les subventions aux associations, sur lesquelles on fait un effort de presque 3%, avec 4 612 050. Je ne passerai pas sous silence l'augmentation du quatrième poste cette année, qui est le poste des charges financières, qui augmente significativement à 3 015 et 0 euros, et qui est tout simplement le reflet du démarrage du programme municipal avec les investissements. Voilà, on est vraiment rentré dans la réalité de la concrétisation de ce programme, et il s'affiche clairement budgétairement. Voilà donc pour ce budget de fonctionnement. On va donc maintenant examiner le budget d'investissement, qui lui aussi est assez remarquable. Donc l'investissement, comme son nom l'indique, la majorité de ces postes principaux, donc les quatre premières lignes que vous avez dans le rapport, sont consacrées à l'investissement. Ces quatre postes principaux représentent 85% de nos dépenses d'investissement. Et puis, de manière très classique, et vous l'avez lu dans le rapport, eh bien, on vient rembourser les dettes des mandats précédents. Et ce remboursement de 11 069 192 euros constitue quasiment 15% de nos dépenses d'investissement. En ce qui concerne cette fois les recettes à mettre en face, là aussi on a un budget assez remarquable. Profitant du fait qu'on avait négocié la mise en place d'un emprunt de 6 millions d'euros aux conditions de l'année dernière qui reste tirable, il vient se cumuler avec nos possibilités d'emprunt de l'année. Donc cette année, on va pouvoir emprunter 30 millions d'euros à des conditions très favorables. Et là aussi, vous voyez tout simplement l'inscription de cet effort d'investissement qui est multiplié par l'effet de levier classique qu'il y a entre le budget de fonctionnement et le budget d'investissement. Globalement, tout euro économisé dans le fonctionnement et qu'on transfère l'investissement est multiplié par 200. Voilà, donc, d'où l'importance de réaliser un transfert entre sections qui soit le plus important possible. Le deuxième poste, et il est également à souligner parce que c'est une performance de l'équipe administrative, c'est le recueil des subventions pour compléter ce volet d'emprunt. Hein. Et 33%, un peu plus de 33% de nos dépenses sont portées grâce aux subventions, ce qui est un chiffre assez remarquable. Et puis, on a la contribution des dotations et fonds divers pour 8 680 000 0 euros. J'ai oublié de donner le montant donc, des subventions, 23 696 000 57 euros. Voilà, une fois que vous avez cumulé ces quatre postes,
Avec le virement de la section fonctionnement, mais vous avez sous les yeux quasiment 90% du budget de fonctionnement, d'investissement, pardon. Alors, il faut noter que donc j'ai dit que ce budget était en équilibre, bien évidemment. J'ai dit qu'on avait un autofinancement assez important qui permettait réellement d'effectuer le programme d'investissement. Et je dois souligner que cette année, on réalise cet équilibre sans la prise en compte du résultat reporté de l'année dernière. Ce résultat va donc venir, à la mi-année, améliorer encore le dynamisme de ce budget. Alors, il n'y a pas d'examen budgétaire sans examiner la dette, mais là aussi, je ne vais pas m'étendre très longtemps, parce qu'on y a passé du temps pendant le débat sur les orientations budgétaires. Les caractéristiques de notre dette, qui est très saine, sont résumées dans le rapport. Nous faisons face à un capital restant dû d'un peu plus de 125 millions d'euros, un taux moyen qui reste performant au jour d'aujourd'hui avec 2,25 euros, une durée de vie moyenne de notre dette qui est de 7 ans et 3 mois, ce qui est très 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 peu, et une durée de vie résiduelle qui n'a pas forcément beaucoup de sens, qui est de 14 ans, le tout étant réparti de manière très sécurisée sur 85 lignes d'emprunt différents. Et alors, je vous passe les commentaires sur le diagramme de risque de nos emprunts, puisqu'ils ont perdu tout sens dans la mesure où voilà, on est en haut et à gauche du cadre, c'est-à-dire zéro risque. Merci. Merci Jean pour cette précision et cette concision. Le débat budgétaire est donc ouvert. Madame Rani, Monsieur Serigi, un des deux. Mettez-vous d'accord. Ça va. Plouf, plouf. C'est bon, il est galant. Donc merci Monsieur le maire. Effectivement, quand je lis la délibération, on pourrait presque croire que tout va bien et qu'il n'y a pas de crise sociale qui impacte notre pays et notamment aussi notre ville. Je regrette que le budget, qui reprend en fait tout simplement les orientations budgétaires, fasse l'impasse sur la solidarité. Pas une seule orientation ne fait référence à la crise sociale que subissent de plein fouet les habitants de notre ville. Dans votre budget, où sont les mesures de soutien aux ménages les plus modestes ? Où sont les aides financières aux familles monoparentales ? Un remboursement partiel par la ville des titres de transport est-il ou aurait pu être en tout cas envisagé pour rembourser nos jeunes impactés durablement par l'état catastrophique du RERD? À la lecture de votre rapport, j'ai peiné vraiment à trouver le mot solidarité. Je regrette l'absence de mesures sociales et d'un véritable budget populaire, en tout cas pensé par et pour les habitants de notre ville. Il est vrai que le gouvernement ne soutient pas à la mesure des besoins de nos collectivités territoriales. Il est vrai aussi que la crise énergétique est un véritable, en tout cas, impact, vous l'avez dit, Monsieur Caron, pour notre ville. D'ailleurs, si j'étais un petit peu en retard tout à l'heure, c'est qu'on a voté à l'Assemblée nationale la proposition de loi qui a été déposée par notre collègue Philippe Brun, qui propose la nationalisation d'EDF. Donc l'adoption de cette loi est un véritable coup d'arrêt à la privatisation du secteur de l'énergie, soutenue par la majorité présidentielle et la droite. Enfin, la spéculation des prix sur le dos des boulangers, des commerçants, des services publics et des habitants va s'arrêter. Donc ça, c'est la bonne nouvelle de la soirée. En fait, se pose la question du bien-vivre, du vivre avec dignité, que ce soit pour les habitants ou que ce soit pour les agents, les agents territoriaux de notre ville. D'ailleurs, je vois que votre hausse des charges du personnel sont inférieures en fait au glissement vieillesse technicité. Donc vous faites, il me semble, des économies. Concernant la hausse du point d'indice, puisque vous en avez fait part dans votre rapport, qui arrive au mois de juillet 2023, rappelons que cela ne signifie en rien en fait une augmentation équivalente au pouvoir d'achat des agents du public. Entre 2012 et fin 2023, l'inflation est de 22,8%. Les fonctionnaires auront donc perdu, vous le savez, 18% de niveau de vie depuis 2021.
Enfin, je terminerai mon intervention sur le budget d'investissement. Un budget conséquent pour rattraper effectivement le retard en termes d'accessibilité, de mise aux normes et tout simplement de rénovation du patrimoine vieillissant. Et effectivement, cela est indispensable. Par contre, je tiens à évoquer le rachat par la ville du château de Beauvoir pour près de 4 millions d'euros. Franchement, quelle surprise de voir que le prix affiché est supérieur à ce qui est annoncé par les élus de la majorité dans les médias. Que ce soit, en tout cas, un achat fait par la ville, je pense que c'est bien, mais qu'allez-vous en faire? Parce que moi, j'ai entendu, monsieur le maire, que, je vous cite, une offre hôtelière, vous vouliez mettre en place, surtout le vendre à un promoteur dans l'optique de faire une offre hôtelière de haute gamme. Je trouve que ça manque d'ambition, en tout cas pour notre ville. Ce parc, ce château, devrait plutôt profiter à tous et être mis à disposition en fait, pour les habitants de notre ville, soit peut-être pour profiter de ce lieu public. Donc j'espère qu'il restera public en tout cas. Bon, voilà. Madame la députée. Alors, je vais prendre sur moi de ne pas m'agacer ou m'énerver comme j'ai dû le faire au débat d'orientation budgétaire. C'est toute la difficulté, totale humilité, du travail d'élu municipal, encore plus de l'opposition, que d'être capable de compulser des milliers de pages budgétaires, de comprendre ce qu'il y a à l'intérieur, pour le coup, de se satisfaire de ne pas faire ce travail et de se limiter à des déclarations finement ciselées, écrites en amont du conseil municipal et qui tapent complètement à côté. Moi, je comprends bien les discours démagos et les notes lues dans des conseils municipaux qui sont retransmis en direct sur les réseaux. Ça fait partie de la posture. Vous êtes à l'Assemblée nationale, vous savez comment ça se passe, je suis au conseil régional, sur des commissions en direct, je sais comment ça se passe, le jeu d'acteurs, etc. Il y a quand même, parce qu'en l'occurrence, c'est enregistré, c'est vu, il y a quand même parfois, nous avons parfois beaucoup de mal à vous suivre. Le seul exemple de Beauvoir à la fin, je re-regarderai la vidéo du conseil municipal pour bien comprendre, parce que j'ai pas bien compris finalement si c'était pas bien d'acheter le château, bien d'acheter le château. Vous faites référence à ce que le maire aurait dit dans les médias, j'ai pas parlé du prix dans les médias, c'était Medizegouf qui a dit de 3 à 4 millions, ça tombe bien, pour l'instant le prix négocié est à 4, ça devrait atterrir à 3,5, c'est donc très exactement ce qui a été dit. Vous indiquez dans la fin de votre propos, je suis pas sûr d'ailleurs que vous ayez bien maîtrisé les termes, mais que vous espérez que ça va rester public. Non, en fait, il se trouve que ça ne l'est pas. C'est pour ça qu'on l'achète. Voilà, je me permets juste de le rappeler. Et je vous rappelle que ce terrain aujourd'hui, important dans le vieil Évry, était destiné, parce qu'il faut le comprendre, hein, à une densification très très forte, et que l'achat par la ville de ce patrimoine important est un achat de protection d'un patrimoine important. Je crois d'ailleurs me souvenir que vous étiez dans une réunion publique à Évry Village, où vous avez pu noter la satisfaction unanime des habitants sur le rachat de ce parc. Sur les investissements en général, puisque vous évoquez le fait que dans le budget, il manquerait des aides aux familles, évidemment, il y a ici l'incise tout à l'heure sur la retraite, ici l'incise sur le RERD, chacun est dans son rôle. Je ne me souviens pas bien des déclarations qui étaient les vôtres quand nous avons voté la cantine à 1 euro. C'était contre ou abstention, je ne me souviens pas. Pour, monsieur le maire. On fera vérifier. On fera vérifier. C'est-à-dire que les mesures sociales, elles ont été prises. Et les mesures sociales, par exemple, je ne sais pas moi, changer de prestataire de restauration scolaire pour mixer les repas, ça coûte 2 millions de plus à la ville, sans augmentation pour les familles. C'est une mesure sociale, de qualité. Mais visiblement, vous êtes passé au travers. Alors je pourrais, chiffre par chiffre, sujet par sujet, je vais vous dire, j'aurais même un grand plaisir à ce qu'un jour, vous et moi, nous ayons, tiens, je le fais là devant Facebook, nous ayons un débat public sur le budget de la commune, sur les sujets de la commune, sujet par sujet. Je vous assure, j'y prendrai un délicieux plaisir.
Mais avant même de faire un débat avec vous sur les conditions sociales d'accompagnement des familles d'Évry-Courcouronnes, je vais faire un deal avec vous. J'accepterai qu'on discute de ces choses-là quand vous ferez votre job. Parce que depuis que vous êtes député, votre présence au CCAS auquel vous devez siéger est très exactement de zéro. Zéro. Le centre communal d'action sociale, celui qui porte la politique sociale de la ville vis-à-vis des familles, vous n'y avez pas foutu les pieds depuis un an. Alors les leçons de morale sur ce que nous ferions ou pas pour accompagner les familles dans une ville où nous dépensons des dizaines de millions d'euros pour remettre des équipements aux normes, pour accueillir convenablement les dites familles, eh bien pardonnez-moi, mais vous n'êtes pas très très bien placé pour pouvoir nous faire des leçons. Mon cher Jean, tu complètes ? Parce que pour le reste, techniquement, il n'y a pas grand-chose à en dire. J'allais, moi, dire un peu stupidement que pourtant, il me semblait que dans l'introduction du rapport, il y avait tous les éléments sur le soutien social, au mieux vivre, à la santé, etc. Oui, ça, il faut le lire. Le budget de rénovation des équipements de santé, du centre de santé des Épinettes. Il m'avait semblé, au contraire, qu'il y avait beaucoup de matière, à condition de lire le rapport. Sur le point d'indice, je suis évidemment pas... dans le vent de Madame la députée. De même que sur le remboursement du prix du transport, je sais que c'est une marotte pour certains. Moi, personnellement, j'ai ma conviction. Et donc, non, je n'avais pas vraiment grand-chose à répondre. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce budget ? Mme Béraud. J'aurais juste quelques questions, en fait, notamment sur les conséquences des travaux prévus au centre-ville. Il est chiffré à hauteur d'1 200 000 euros le déplacement des associations à Jean Rostand avec des aménagements. Est-ce que les associations concernées telles que le Secours Populaire, la Maison du Monde et l'association Pause sont-elles au courant et ont-elles pu remonter leurs besoins auprès des services de la mairie ? Et la deuxième question, c'est aussi que nous avons aussi appris durant la concertation que ces travaux auront pour conséquence de supprimer un morceau de l'actuelle bibliothèque. Serait-il possible d'avoir un peu plus de détails ? Alors, tout en regrettant, mais je l'ai déjà dit au président de votre groupe, votre absence totale à la concertation de ce projet majeur pour la centralité, il n'est absolument pas question de rogner sur la bibliothèque. Il est au contraire question de retourner la médiathèque, un peu plus complémentaire qu'une bibliothèque, sur la place du centre-ville, puisque quand vous grignotez la poste et la dalle de la poste, le mur de façade qu'il y a derrière, c'est celui de la médiathèque. Je vous invite à aller discuter avec les agents de la médiathèque qui portent le projet de retournement de la dite médiathèque, et de voir le contentement qui est le leur de porter un tel projet en plein centre-ville d'une ville-préfecture. Donc ne laissons pas dire qu'il y aurait une bibliothèque qui serait rognée, on est bien loin de cela. Aujourd'hui, la médiathèque principale de la ville d'Évry-Courcouronnes, ville-préfecture, ville-capitale de l'Essonne, c'est une entrée particulièrement confidentielle au fin fond de la place de l'Agora. Demain, ce sera une façade complète sur la place du centre-ville. Voilà. Sur le reste, Pascal ? Alors, pour les trois associations dont vous parlez, elles sont au courant, oui, puisque ça fait déjà un an et demi, je pense, qu'on est allé les rencontrer pour les informer de la situation. Pour Maison du Monde et Pause, donc c'est les deux associations qui sont relocalisées sur l'allée Jean Rostand. Elles ont visité les locaux avec nous, avec les services techniques. On a regardé ensemble l'aménagement du local avant les travaux et notamment leurs besoins aussi bien en espace, en lieu commun puisqu'ils vont partager aussi certains espaces. Et puis pour le Secours Populaire, on est encore en train de chercher avec le Secours Populaire et nos services, tout simplement parce qu'on cherche un lieu qui soit accessible pour les camions, voilà, pour pouvoir aussi décharger la marchandise. Donc on a encore un petit peu de temps, mais on est en train de chercher, on n'a pas encore trouvé ce local-là. Et ils le savent puisqu'on les rencontre régulièrement et on fait le point régulièrement avec eux. Madame Rani.
Merci, monsieur le maire. J'aimerais répondre justement quand vous dites que j'aurais peut-être pas voté la cantine à nous, vous allez vérifier. Vous avez tendance, monsieur le maire, à chaque fois me faire porter, en fait, vous dire des choses. Et après, je vous demande de revenir sur vos dires parce que vous êtes trompé. À chaque fois, c'est la même chose. Donc là, on va éviter. Je vais vous dire les choses. J'ai voté pour, bien entendu, la cantine à 1 euro. Concernant le château de Beauvoir, à aucun moment j'ai dit que c'était une mauvaise chose de l'avoir acheté. Je dis que c'est bien de l'avoir acheté. Par contre, je m'inquiète le fait de le revendre à un promoteur. C'est ça qui m'inquiète, monsieur le maire. Donc, qu'on soit bien clair, l'acheter, c'est très bien, mais le revendre à un promoteur, c'est inquiétant. Voilà, merci. Alors, reprenons. En effet, deux fois, j'ai dit des choses à tort. Et vous voyez, contrairement à d'autres, ici même, en séance publique, je m'en suis excusé. Pas 50, hein, 2. Mais contrairement à d'autres, quand je fais une bêtise ou quand je dis une erreur, eh ben je m'en excuse publiquement. Ça, c'est le premier point. J'invite chacun à en faire de même. Sur le château de Beauvoir, quand je vois l'interpellation qui est la vôtre pour savoir si c'est à 3 ou 4 millions que nous rachetons l'ensemble, qu'en serait-il si je revenais l'année prochaine avec une demande d'investissement de 7, 8, 9, 10, 12 millions pour réhabiliter le château, que nous n'avons pas les moyens de dépenser ? Et donc la question n'est pas de savoir si on va remettre à un promoteur. Actuellement, si nous n'achetons pas le parc, c'est 120 logements qui pourraient être prévus. 120 logements, hors château. En achetant le parc, on élimine la menace des 120 logements. Mais enfin, on n'a pas trouvé les moyens pour réhabiliter le château. Et le château peut avoir une destination. Et donc, puisque vous étiez à la réunion publique à Évry Village, la question est très claire pour nous. Le parc doit revenir public et nous devons trouver une solution avec un acteur privé pour la réhabilitation et l'utilisation du château. Il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien de caché. Ça a été dit très clairement et très précisément dans une réunion publique à Évry Village, il y a de cela déjà plusieurs semaines. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le budget ? Monsieur Francis Choix. Oui, merci, monsieur le maire, chers collègues. Je ne veux surtout pas... allonger inutilement des débats, et puis en plus on est quand même un tout petit peu à la marge du débat budgétaire, mais outre, chère Madame Amrani, députée, je trouve toujours assez subjugant lorsque vous suspectez une commune, une seule, je suppose que vous ne diriez pas la même chose, à Corbeil-Essonne, ou à Grigny, ou à Fleury-Mérogis, vous suspectez une commune, au fond, dites-le comme ça, c'est plus simple, d'être antisocial. Puisque pas de politique de solidarité, vous dites rien sur la question de la pauvreté, comme si la question de la manière dont nous avons affronté une crise sanitaire séculaire était relevée du siècle dernier. Et comme si surtout, et c'est ça qui est subjugant, comme si il n'y avait pas, d'un côté l'État, avec ses insuffisances et ses bons points, ses lourdeurs, et puis de l'autre côté un bloc, parce que c'est comme ça que ça s'appelle. Un bloc local qui, en fonction des compétences qui sont dévolues aux uns et aux autres, même si la commune a une compétence générale, est au cœur de ses compétences. Comment vous développez des politiques de solidarité vis-à-vis des plus pauvres sans le département ? Comment vous le faites sans les grands organismes publics de solidarité ? La sécurité sociale, Pôle emploi... Comment vous le faites sans... entraîner les grandes associations humanitaires et caritatives. Donc, si vous souhaitiez avoir un débat honnête, sincère, transparent et serein, j'espère que ce soir, l'ambiance vous change du point de vue des acouphènes de l'hémicycle. Mais si vous souhaitiez avoir un débat serein, alors moi, j'aurais, si j'étais dans l'opposition, ou même d'ailleurs si je suis, et je le suis dans la majorité,
Je souhaiterais alors à ce moment-là que l'on ait, à un moment ou à un autre, un débat qui réunisse l'ensemble des acteurs et qui dise à toute la population, et pas seulement aux élus qui sont là, ce qu'est la réalité d'une politique de solidarité, ses contraintes, ses charges, et à côté de cela, ses recettes, pour que la population, plutôt que d'assister à des joutes qui ont un mérite quand même très limité, sur des procès qui frisent le procès d'intention, ait le regard en face de ce qui se passe. Comme maire et président de l'agglomération, j'avoue que c'est un de mes échecs. J'avais, à de multiples reprises, souhaité qu'il y ait une présentation conjointe du budget de la ville et du budget au moins de l'agglomération. Parce que les compétences de l'agglomération font que, sans agglomération, il y a tout simplement toute une série de choses qui ne peuvent pas être faites au niveau de la ville. Et il dit c'est de Versailles, dirait Coluche. Mais c'est ainsi. On n'a jamais réussi. Je ne sais pas pourquoi. Il y a aussi l'inertie. Hein. Il y a aussi un peu de bureaucratie. Parce que c'est quand même pas très compliqué de le faire. Mais il y a des charges de travail dans l'administration communale, il y a des charges de travail dans l'administration communautaire qui rendent les choses difficiles. Mais on pourrait aussi avoir une présentation commune des actions sociales avec le département de l'Essonne, même si il est présidé par une autre majorité que celle qui correspond à mes convictions. Un dernier mot concernant le château de Beauvoir. Parce que je veux que les choses soient extrêmement claires. Pas seulement par rapport à ce que j'avais initié, puisque c'est moi qui ai initié. Voilà, vous pouviez le dire, hein. C'est pas parce que je ne suis plus député que je suis devenu totalement transparent. Bien. D'ailleurs, ça serait quand même assez difficile. Oui, avec la majorité d'Evry de l'époque, certains s'en souviennent ici. Pas seulement les draps. Pascal Chataignan, Daniel Valero, et puis Mehdi Zegouf, qui n'était pas élu, mais qui travaillait au sein du cabinet du maire de l'époque. Mesurant la volonté de la part de la Sécu d'accélérer la cession de l'ensemble de ce qu'il ne voulait plus gérer et prendre en charge, premièrement. Deuxièmement, Madame Amrani, en ayant toujours conscience de quelque chose, c'est que nous ne sommes pas dans une république soviétisée, ni du Nicaragua, ni du cercle bolivarien. Il y a une propriété privée en France. Ça existe. Ça existe, figurez-vous. Et que la question de la spoliation, elle peut se poser, mais dans des circonstances qui sont quand même extrêmement encadrées et qui nécessiteraient que l'État autorise le maire à spolier pour une raison majeure avec le nombre de recours nécessaires, c'est-à-dire le nombre d'années qui, etc. Bon. Donc, face à la volonté de la sécurité sociale, je m'en souviens, celui qui la présidait à l'époque, c'était qui la dirigeait, c'était Nicolas Revel, ancien directeur de cabinet de Jean Castex, de Jean Castex, et aujourd'hui directeur général de la PHP. Et je me souviens très bien des discussions que j'ai eues avec lui, puisqu'il fallait passer par ce niveau-là. Il n'y a pas qu'à l'Élysée qui a de la verticalité. Hein. Il y en a beaucoup aussi dans quelques grands organismes comme la Sécurité sociale. Eh bien, il fallait passer par lui pour faire entendre raison à celles et ceux qui ne voulaient rien entendre au plan local. J'ai donc accepté, mais pas tout seul, je l'ai fait par délibération, là aussi, puisque vous aimez bien les archives, on les retrouvera, par délibération, la volonté pour la ville d'être partenaire, d'être associée aux décisions à prendre, parce que nous venions de décider au niveau de l'agglomération la rénovation du parc des Tourelles, parce que la question de la Seine se pose, parce que ceci, parce que cela, bien, on ne pouvait pas laisser filer une opération privée
et on ne pouvait pas en même temps spolier. Et donc j'ai accepté le cadre qui a été proposé, celui qui est aujourd'hui dénoncé. Vous pourriez demain sortir un tract sur les réseaux sociaux en disant « Ah ah, voilà, l'ancien maire se fait taper par le nouveau maire parce qu'il est obligé de réparer les conneries de l'ancien. » Ben oui, mais écoutez, oui, près de 60 ans de vie publique, on finit par perdre toute naïveté. Donc, si vous voulez, je peux le rédiger à votre place, ce tract, je vous le donnerai. En disant « Regardez comment le maire est emmerdé par les décisions de l'ancien maire. » Oui, sauf une chose que je vous demande d'entendre, Madame Amrani, c'est que ça n'a jamais vu le jour. Pourquoi ? Pourquoi ça n'a jamais vu le jour ? Parce que j'ai toujours refusé, je crois qu'un des derniers promoteurs, c'était Bouygues, j'ai toujours refusé la densification prétendument aux marges du parc, de construction de logements, plus une maison de retraite. J'espère que ce n'était pas Orpea, en considérant que tout cela dénaturait l'emprise et dénaturait le projet. Il y avait un beau projet, je ne sais plus comment ça s'appelle, Pascal, ceux qui ont les grands jardins, les grandes fermes du côté de Versailles, la ferme de Galie, pour qu'à l'intérieur du château, il y ait des animations, etc. Voilà, c'est resté en stand-by. Eh bien moi, quelle que soit l'idée que l'on peut avoir de ce que j'ai fait, je me réjouis que tout le monde reprenne ce dossier avec une volonté claire. La publicisation du parc et des espaces par la jonction, j'espère peut-être plus tard, avec le parc des Tourelles, parce que c'était un des enjeux, et trouver une destination au château, qui ait son équilibre économique et qui, en même temps, ne soit pas à la charge de la ville. Sur cette base-là, Madame Amrani, en dehors de toute polémique, franchement, ça ne sert à rien de chercher des poux dans la tête au maire, surtout qu'il s'est fait couper à la différence de moi-même. Alors, si je peux me permettre de répondre, Monsieur le maire. On va faire ça comme ça, allez-y. Merci. Effectivement, le dossier, je le connais, Monsieur Choix, je sais que vous en étiez l'initiateur, puisque j'ai en ma possession certains documents, notamment qui descendent du haut, vous savez, voilà. Donc avec les mails et vos échanges. Donc si je voulais vraiment faire polémique, vraiment, et mettre ça sur les réseaux sociaux et voir dans les mains des journalistes, je l'aurais fait. Ce n'est pas dans mes habitudes. Donc du coup, on va en rester là, monsieur. En tout état de cause, excellent exemple que celui de la ferme de Galie, projet auquel on tenait tous. Ferme de Galie qui a abandonné parce qu'il n'y avait aucun équilibre économique à réhabiliter le château. Voilà, ça fait réfléchir pour la suite. S'il n'y a pas d'autres questions sur le budget, je le soumets donc, Monsieur Sirigi. C'est juste pour rajouter une petite parenthèse. On n'est pas là aujourd'hui, le conseil municipal, pour chercher les poux, loin de là. On n'est pas là pour chercher des histoires à M. le maire. Surtout des affaires qui n'étaient pas là. Il n'était pas élu. Aujourd'hui, elle pose une question. Elle a un programme dans lequel elle a mentionné le nom de arrêt de bétonner. Arrêt de bétonner. Elle se réfère à son programme. Ni plus ni moins, ni polémique. Et ne cherchez pas les poux. Voilà. Non, vous cherchez les poux, monsieur Joie. En l'occurrence, il n'y a pas de sujet de bétonisation, puisque nous achetons ce terrain justement pour ne pas bétoniser. Voilà. J'aimerais bien qu'on nous remercie collectivement de le faire. Ce serait vachement plus sympa. Et c'est très simple, vous voyez. Je vous remercie. Y a-t-il des votes contre sur ce budget ? Des abstentions ? Je vous remercie. Budget primitif du parking, Jean. Oui, là aussi, on a vu la différence d'approche entre ces deux budgets. Donc, budget annexe des parkings, les éléments clés, hein, en exploitation, c'est un budget qui repose sur 44 450 euros de revenus, hein, de revenus des utilisateurs. Et puis, en face de ça, on a un virement à la section d'investissement de 192 000 euros. Et on a des travaux de réfection et de modernisation
des 10 parkings à hauteur de 125 544 euros. Tout ça nous fait un budget équilibré en exploitation et en investissement à hauteur de 238 400 euros en exploitation et 193 444 euros en investissement. Merci Jean. Y a-t-il des questions sur ce point ? Il n'y en a pas. Des votes contre, des abstentions. Je vous remercie. Point 16, Jean Caron encore. Oui, tout à fait. Donc il s'agit d'approuver le versement de subventions à certaines structures en fait, qui participent directement à l'action communale. Il s'agit du Centre communal d'action sociale dont on vient de parler, de la Caisse des écoles et du Groupement d'intérêt public Stratégie d'action éducative. Donc pour ces trois structures, nous vous proposons de valider la volonté de la commune de soutenir le fonctionnement de ces associations et de ces structures. Pour le centre communal, décidément, j'y arrive pas, le centre communal d'action sociale, que j'appelle habituellement le CCAS, moi aussi, et il faudrait que je m'y tienne, une subvention identique à la subvention 2022 pour 1 380 131 euros. En ce qui concerne la Caisse des écoles, reconduction également de la subvention 2022 pour 83 500 euros. Et en ce qui concerne le JIP SAE, il est proposé le versement d'une subvention de fonctionnement de 70 000 euros au titre de l'année 2023. Un petit peu en repli parce que par ailleurs, il y a un volume important d'autres financements reçus et anticipés par la structure pour 2023. Donc il vous est demandé de valider ce versement de subvention. Merci Jean. Y a-t-il des questions sur ce point ? Il n'y en a pas. Des votes contre, des abstentions ? Je vous remercie. Point suivant, Jean, toujours sur l'AMAC. L'AMAC, qui est l'Association municipale d'action culturelle et qui a signé une convention d'objectifs avec la commune pour une durée de 3 ans. Et dans ce cadre, donc, nous sommes sur l'avenant numéro 2 qui fixe le montant de la subvention pour l'année 2023 et que nous vous proposons d'approuver pour un montant de 150 000 euros. Merci Jean, j'en profite pour remercier Thierry Poquelin et toute son équipe de la MAC qui font un boulot formidable pour cette association du personnel municipal qui, sur 1600 agents, a plus de 1000 adhérents, ce qui est colossal. Pas de questions sur ce point, pas de vote contre, les abstentions, je vous remercie. Point suivant, les subventions aux associations, à deux voix, Pascal et Yvan. Oui, monsieur le maire, merci. Donc, cette délibération est une délibération traditionnelle juste après le vote du budget. Elle vient ponctuer, clore un long travail avec les associations, les services, les élus. Travail qui a commencé à l'automne avec l'élaboration des dossiers de subvention, puis l'organisation d'une centaine d'entretiens avec les associations. Et les élus thématiques, et je citerai mes collègues, Daniel Valero, Mehdi Zegouf, Mélinda Bayol, Lucas Mélin, Sandrine Chaumont, Diarra Badiane, Henri Catalifo, Corinne Bourgeois, Claude Maisonnave, j'espère que j'en ai pas oublié. Et on a rencontré cette centaine d'associations, j'en ai vu une cinquantaine, principalement sur les projets transversaux. Donc des rendez-vous qui sont toujours passionnants pour échanger sur les bilans, les projets, puis aussi pour construire ensemble des projets solidaires et soutenir la solidarité dans cette ville. Et puis beaucoup d'innovation. Et je voudrais aussi donc d'abord commencer par rendre un hommage appuyé à l'ensemble des bénévoles, des acteurs et des actrices de notre monde associatif pour leur investissement constant, leur agilité, leur créativité et leur innovation. Après la période du Covid, dure pour tout le monde, période pendant laquelle la ville a fait le choix de maintenir son soutien aux associations, malgré des fois une activité moins soutenue, il y a aujourd'hui une remobilisation et puis de nouvelles associations aussi, qui voient le jour, portées par des plus jeunes, axées sur la solidarité, sur la culture, sur la jeunesse et surtout sur, on dit le bien vivre ensemble, mais en tous les cas sur comment on vit ensemble dans cette ville, avec un engagement citoyen d'une nouvelle génération qu'il nous faut accompagner. Et cette grande diversité va d'associations où, quand on les a rencontrées, alors je ne vais pas les citer, mais des retraités vont aider les sans-papiers, les migrants à la préfecture, ou une nouvelle association qui recycle les décorations des magasins de luxe pour décorer des foyers de l'assistance à l'enfance et faire découvrir les métiers d'art, une autre qui produit un livre sur les talents d'Evry et se propose de les faire rencontrer et se rencontrer avec nos collèges, une autre qui organise des maraudes, une autre qui développe la culture japonaise à Évry-Courcouronnes, ou une autre qui développe aussi l'initiation à la musique à des jeunes déscolarisés. Et je n'oublie pas le sport, mais Yvan vous en parlera tout à l'heure.
Donc le maire et cette équipe municipale se sont engagés au début de mandat à maintenir les subventions aux associations tout au long du mandat. Et pour 2023, c'est un budget global de près de, d'un peu plus d'1 900 000 euros qui comprend les associations sportives, le CCAS et les associations et les subventions de droit commun. Plus tous l'accompagnement qui se fait aussi dans l'année par les prêts de salles, la reprographie, les espaces de la vie associative à la Maison du Village ou à la MJC Simone Signoret. Et puis enfin, 2023 verra aussi la création du Conseil local de la vie associative en lien avec notre charte de la participation. Pas une instance de plus, mais cela part de la demande aussi des associations pour poursuivre les échanges, la mutualisation, la formation, soutenir collectivement toutes les formes d'initiatives citoyennes. Un travail aussi de mise à plat de nos appels à projets et de leur dotation. Ce soutien constant et permanent à l'éducation populaire entre bien dans le soutien à la formation tout au long de la vie, inscrit dans la démarche de notre ville apprenante. La délibération donc de ce soir vous donne le détail des critères d'attribution, attribution en fonctionnement et vie des quartiers pour 94 associations. Alors, on ne va pas toutes les détailler, vous les avez listées dans la délibération. Pour la vie des quartiers, on est sur une enveloppe globale de 99 000 euros. Et puis, pour les associations, les financements de droit commun, sur une enveloppe globale de 247 000 euros, en constatant qu'effectivement, les projets culturels sont soutenus à hauteur de 40 000 euros sur cette partie de financement associatif, puisque dans le cours de l'année, on aura aussi les appels à projets développement durable et aussi lutte contre les discriminations qui viendront rejoindre ces financements. Donc voilà pour la partie droit commun et vie des quartiers, qui regroupe donc 94 associations et puis 12 associations qui sont soutenues dans le cadre de la politique sportive développée avec Yvan. Merci Pascal. Pareil, moi je vais faire une petite introduction sur l'idée que il faut remercier le travail qui est fait, le travail colossal qui est fait par les associations et les bénévoles du monde sportif. Donc on parle d'à peu près 80 sections, 80 associations on pourrait dire, même si elles font partie des clubs omnisports. Il était important pour nous de pouvoir renouveler notre partenariat avec ces associations à la même hauteur et de ne pas les abandonner dans un moment où ça peut être délicat. Parce que sortie de Covid, pour pas mal d'associations, ça allait parce qu'elles ont trouvé des aides pendant celui-ci. Mais là, on se retrouve à une année après et ça aurait pu être délicat pour beaucoup d'entre elles. Donc on n'a pas changé tellement les choses, donc je vais mentionner surtout les différences qu'il y a par rapport à la saison dernière. Il y a un nouvel arrivé en termes d'aide aux associations. On a considéré que le travail qui était fait par Lucro Rugby, donc qui est une association de rugby sur Ris-en-Rangis, mais qui fait un travail colossal aussi sur la ville avec du Scola, avec une action aussi envers des gamins de cette ville. On voulait arriver à les aider parce qu'il faut aussi du transport. Et donc on a ouvert une subvention à hauteur de 5000 euros pour eux. Ça peut paraître dérisoire au vu de l'association que c'est, mais c'était important pour nous de commencer une participation et d'arriver à avoir un travail avec eux. Je vais soulever une situation un peu plus délicate qui est on se retrouve avec le Grand Roc qui était une association importante des échecs sur cette ville où aujourd'hui on ne versera plus de subventions sur cette association. Alors on parle de 30 000 euros, hein, c'est quand même pas rien. C'est un changement qui est compliqué parce qu'ils vivent un moment compliqué au sein de l'association. Donc clairement, en discussion avec le président, on en arrive à ce choix. Cet argent, par contre, reste dans nos subventions, mais plus sous ce qu'on appelle le contrat d'action. Donc on va faire un appel à projet
On en avait déjà fait l'année dernière sur qui s'appelait Urbanise ton sport, qui était une de l'activité physique pour tous en bas de nos immeubles. Donc ça revient dans ce périmètre là. Je voulais faire aussi une petite intervention aussi sur le travail qui était fait par les clubs de foot. On les a reçus dernièrement. On continue le travail avec Evry FC parce qu'on avait commencé un travail qui était d'enlever petit à petit de la mise à disposition. Encore cette année, on retire un peu de mise à disposition, on passe à 140 000. C'est un travail qu'on fait avec eux et en collaboration, et on voit tout le travail qu'ils font sur le terrain pour aller faire en sorte de récupérer les cotisations et après, sans parler du terrain, où on parle de 52 équipes et voilà. Donc voilà, moi je tenais à dire j'ai un profond respect pour ce travail-là parce qu'il n'est pas simple. Surtout qu'on le sait, les populations sont dans une situation où il n'est pas évident que de payer une cotisation au club sportif. En tout cas, c'est jamais évident pour tout le monde. Donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais rajouter ? Il y a encore une petite augmentation qui est légère pour le Diamant Futsal. On s'est permis d'augmenter légèrement de 2000 euros, mais ce qui n'est pas rien pour eux. Et puis, je tenais à le dire, les clubs omnisports ont un particularisme qui est fort, c'est que au travers de leur travail collectif et de solidarité, ils se retrouvent à avoir des structures très fortes. Et donc aujourd'hui, c'est des associations qui sont très très saines. Et voilà, c'est encore une manière de dire bravo à tout le travail qui a été fait. Voilà. Juste pour conclure, remercier l'ensemble des services de la vie associative, de la participation citoyenne, des sports aussi, qui sont tous les jours aux côtés des associations. C'est des petites équipes, mais efficaces, agiles et à l'écoute, et qui accompagne efficacement l'ensemble du tissu associatif. Eh bien, puisqu'on en est dans les remerciements, permettez-moi de vous remercier tous les deux, à côté de vos services, pour le travail colossal qui a été fait d'écoute, d'échange, de recherche de solutions, avec les associations, de remise en perspective aussi de ce qu'est le travail bénévole et le travail associatif, puisqu'il est en train de changer, comme la société change. Tu évoquais les deux clubs de foot que nous avons reçus ensemble dans mon bureau il y a quelques jours. Il y a des vraies questions de réorganisation, de management différent de ces clubs tentaculaires, parce qu'on parle quand même de clubs avec des centaines et des centaines d'adhérents. Donc bravo pour cette écoute et évidemment, à nouveau, merci à nos bénévoles associatifs qui font un travail de dingue. Là aussi, on est loin des querelles, des postures, toute forme de populisme. On est dans le concret, on est dans le dur. Tous ces rendez-vous d'accompagnement, de meilleure compréhension des enjeux des uns et des autres, de meilleures trajectoires, c'est extrêmement lourd. Vous y passez avec les équipes, avec les services, avec les associations, beaucoup de temps, parce que pour les bénévoles associatifs, au-delà de leur temps donné sur le terrain, il y a aussi le temps pour préparer les dossiers, monter les budgets, etc. C'est le temps administratif des associations est lui aussi considérable. Donc coup de chapeau à toutes et tous pour accompagner aussi ces évolutions de société et de structure. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point, Yvan ? Je voudrais juste rajouter aussi l'effort est fait. C'est-à-dire qu'il y a avec la situation qu'on connaît, qui est financière, on aurait pu, énergétique, on aurait pu se retrouver à ne plus utiliser certains équipements ou en tout cas se retrouver dans une situation d'arrêter le chauffage et compagnie. En l'occurrence, la ville fait encore cet effort-là. C'est-à-dire que ça revient pas aux associations que de subir ça, et c'est la ville qui se bat, c'est les habitants. Donc ça aussi, c'est à noter. Et dernière petite chose, qui n'a rien à voir, mais qui est importante. Je voulais dire bravo. Bravo à un athlète qui se retrouve à avoir eu une ceinture de champion d'Europe le week-end dernier. Voilà. Et qui, Francis Goma, qui se retrouve à avoir, dans les catégories de moins de 85 kilos, être champion d'Europe. Donc bravo à lui, pensionnaire du coq boxing. Donc bravo les gars, quoi. Voilà.
Voilà, du coup, bravo à Cyril Lecomte et à toute l'équipe qui l'entraîne et qui l'encadre. On en est tous très très fiers. Peut-être signaler aussi l'arrivée d'un nouveau directeur des sports, Eric Métayer, depuis plusieurs semaines. Merci à vous toutes et tous. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point ? Monsieur le maire, je ne prendrai pas part au vote, étant présidente du CLIC Curesson. Eh bien, tu ne prendras pas part au vote. Tire-toi. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions, je vous remercie. De toute façon, tous les élus qui sont concernés par telle ou telle association sont retirés du vote sur telle ou telle association. Merci, merci à vous. Daniel, pour l'URE. Oui, l'Union des retraités d'Evry, que tout le monde connaît, qui propose, à, vous le savez évidemment, aux pré-retraités, retraités seniors, beaucoup d'activités culturelles, musicales, sportives, etc. On y était cet après-midi avec le maire, avec Mehdi au début et Olivier Potocard. On était cet après-midi au ce qu'on appelle le forum de l'URE, forum de l'URE. Et on a répondu à peu près, hein, Olivier, à 80 ou 90 questions sur tous les sujets, la restauration, les voiries, les projets de la ville, etc. etc. Donc, non, mais là, la délibération... Et sur l'approbation de l'avenant numéro 2, qui est un avenant, en fait, on rajoute dans la convention le montant de la subvention à l'Union des retraités d'Evry, qui sera en fait de 38 000 euros, décomposé en 36 000 euros de subvention de fonctionnement et 2 000 au titre de la semaine bleue. Avant, c'était une délibération qui était à part. Merci, Daniel. Y a-t-il des questions sur ce point ? Pas de vote contre, pas d'abstention. Je vous remercie. Mehdi ? Oui, subvention pour la MJC Simone Signoret, là aussi, comme chaque année, pour vous dire que nous sommes engagés maintenant depuis deux saisons dans une collaboration plus étroite ensemble. Vous savez que l'espace qui était auparavant dans une cohabitation entre le Centre culturel Simone Signoret et la MJC Simone Signoret porte maintenant le nom d'espace Simone Signoret, que nous avons intensifié nos relations, que par exemple la programmation culturelle, notamment de spectacles vivants, la saison culturelle qui était avant portée par le Centre culturel est maintenant coportée avec la MJC. Donc on continue à mener des projets plus étroitement ensemble. Et donc, je vous propose de délibérer ce soir pour une subvention à hauteur de 99 940 euros. Vous voyez que c'est très précis. Petite différence par rapport à l'année dernière, où facialement on a l'impression que ça augmente. Il n'y a pas d'augmentation, puisque nous sommes toujours sur 32 000 euros de subventions annuelles, comme l'année précédente, auxquelles s'ajoutent 67 940 euros, là, qui correspondent, on avait déjà fait une subvention modificative, entre guillemets, l'année dernière, qui correspondent à la reprise par la MJC des activités qui étaient avant gérées par la ville dans le centre culturel. Donc nous avons fait le delta dépenses recettes et donc nous sommes arrivés à ce chiffre que nous avions estimé l'année dernière. On était tombé quasi juste à quelques dizaines ou quelques centaines d'euros près, Pascal, je crois. Et donc raison pour laquelle, voilà, il faut ajouter aux 32 000 les 67 940 pour arriver aux 99 940. Merci Mehdi. Un petit clin d'œil à Ghislaine et à toute son équipe sur la MJC Simone Signoret, renommée en l'occurrence. Et une petite pensée pour Anne, qui vient d'accoucher d'une petite Lola. Anne, qui est la directrice de notre centre social. Donc une pensée à L2. Voilà, y a-t-il des questions sur ce point ? Il n'y en a pas. Des votes contre, des abstentions. Je vous remercie. Yvan, pour les deux prochaines délibes. Alors, la première, c'est la question d'une aide pour une association, les trophistes des étudiants qui sont de Télécom Sud Paris, qui nous ont sollicité. Alors, en fait, la genèse de cette affaire, c'est quand on s'est retrouvé à la fabrique à devoir écouter différents projets, et notamment celui-ci, où deux étudiants voulaient partir, se lancer dans une aventure qui était le 4L Trophy. Donc c'est un parcours sportivo-humanitaire, qui les amène à retaper une 4L et à se lancer dans une grande, grande course sur à peu près 6000 ou 8000 km, je pense. Voilà. Donc, l'idée, c'est de les aider à hauteur de 2000 euros et de les aider à vivre cette aventure. Alors, ils étaient à la fabrique au départ et quand ça pouvait faire cher à la fabrique
que de verser trop de subventions pour eux. Il y avait d'autres projets. Donc on s'est dit, on s'est invité à enlever ce projet-là pour essayer d'y participer autrement et d'aller un peu plus loin. Donc voilà, donc je vous invite à voter 2000 euros. Petite précision, ils seront dans le coin vendredi. Vendredi, ils vont être sur la place des droits de l'homme et des citoyens. Donc si vous avez des questions, ils seront là avec leur bagnole. Si vous avez des questions, c'est le moment d'aller les voir. Je pense que ça peut aussi être une belle manière d'essayer de communiquer avec eux. Voilà. Vive les 4L et vive l'aventure. Y a-t-il des questions sur ce point? Il n'y en a pas. Des votes contre, des abstentions. Vendredi, c'est demain. Oui. Allez, Yvan, encore à toi pour la Run Color. Ouais. Alors, là, c'est l'université, l'association sportive universitaire qui organise le 25 mars, alors ce qu'on appelait l'Urban Trail à l'époque, qui devient maintenant la Lévry Courcouronne Color. Donc, voyant qu'il y avait un peu moins de monde qui se jetait sur l'Urban Trail, voilà, la course Color fonctionnait un petit peu plus. Là, il se lance dans une nouvelle édition qui va avoir un départ sur la place des droits de l'homme et du citoyen, avec un parcours dans la ville. Donc l'idée, c'est de les aider à hauteur de 1500 euros. Voilà, c'est pareil, hein, cette association universitaire fait un énorme travail sur la ville et ils vont même préparer un cross pour les écoles bientôt. Donc, enfin voilà, on les accompagne, c'est des partenaires du travail sur le territoire. Donc, on continue notre partenariat. Voilà. Merci Yvan, et pour l'avoir couru l'an passé où elle s'était délocalisée sur Courcouronne Centre, je confirme que le mot color n'est pas usurpé, vu l'état du parc et de nos fringues à la fin de la course. Y a-t-il des questions sur ce point? Des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Carmel. Bonsoir. La délibération numéro 23, c'est le soutien traditionnel de la ville d'Évry-Courcouronne aux établissements scolaires du second degré. Donc là, je vais présenter trois subventions exceptionnelles. Il y a deux qui sont pour le Collège Galilée. Donc le Collège Galilée organise deux voyages scolaires, un en Irlande et l'autre en Normandie. Le premier, le voyage en Irlande, qui est intitulé Everybody's in Ireland, Every évidemment en notre ville, s'élève à 22 500 euros et la participation de la ville qui est demandée est à hauteur de 500 euros. Le voyage en Normandie, toujours pour le Collège Galilée, s'appelle donc Auvergne autour des sciences, avec une dimension à la fois scientifique et sportive, un budget qui s'élève à 18 908 euros, toujours une participation de la ville qui s'élèvera à 500 euros. Et la troisième et dernière subvention exceptionnelle, c'est pour le lycée Charles Baudelaire, qui organise un voyage scolaire à Lille pour les élèves de terminale en section commerce, bac pro commerce, afin de leur faire découvrir des nouveaux métiers, des nouveaux débouchés. Et le budget de ce voyage s'élève à 7 537 euros, avec une participation de la ville toujours à hauteur de 500 euros. Il est donc demandé au conseil municipal d'attribuer une subvention exceptionnelle de 500 euros multipliée par 3 pour chacun des voyages scolaires, 2 pour le Collège Galilée et 1 pour le lycée Baudelaire. Je vous remercie. Merci Carmel. Jordan ne prendra pas part au vote sur cette délibération. Y a-t-il des questions? Des votes contre, des abstentions, je vous remercie. Pour le 24, Pierre. Point 24. Donc, il s'agit d'une session de C2E. Les C2E, ce sont les certificats d'économie d'énergie. C'est un mécanisme qui oblige les fournisseurs d'énergie à financer des opérations d'économie d'énergie chez les particuliers ou chez les collectivités. Et ça nous permet de valoriser ces C2E pour obtenir une subvention qui nous fait baisser le coût des travaux. Alors d'habitude, on les valorise auprès du CIPEREC, ces C2E, et là, on a pour des travaux d'isolation, on a une société qui s'appelle l'entreprise Énergie de France, qui nous a proposé
qu'on lui transfère nos C2E pour qu'elle-même les valorise ensuite. Et nous avons constaté que c'était plus intéressant financièrement pour nous de faire ainsi. C'est l'objet de cette délibération. Une fois que cette délibération sera validée, nous pourrons transférer nos C2E à la société Énergie France et elle sera en mesure de réaliser les travaux d'isolation pour un coût de 0 euros. Il y a 4 écoles concernées qui sont les écoles Charles Perrault, le groupe scolaire Paul Berthe, le groupe scolaire Jules Ferry, le pôle enfance Charles Perrault et le groupe scolaire Jacques Brel. Pierre, y a-t-il des questions sur ce point ? Il n'y en a pas, des votes contre, des abstentions ? Je vous remercie. Point 25 et point 26 sont deux délibérations techniques. La première sur l'opération d'aménagement du Bois-Briard. Il s'agit d'approuver un avenant à la convention de transfert des espaces communs de lotissement de logements, puisque toutes les voies, espaces, équipements communs dont la réalisation est nécessaire pour cette opération auront une vocation publique. On doit donc conclure cet avenant afin d'apporter plusieurs précisions qui concernent les équipements communs et à mettre à jour le périmètre du permis d'aménager. Vous avez tout le détail dans la délibération. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point ? J'imagine qu'il n'y en a pas. Des votes contre, des abstentions. Je vous remercie. Le point 26, là aussi, un avenant numéro 1 au traité de concession d'aménagement de la ZAC Canal Europe Horizon. Il s'agit là de préciser l'échéancier de versement de la participation financière de GPA à la commune pour la construction de la nouvelle école. Vous avez cet échéancier dans la délibération. Est-ce qu'il y a des questions ? Il n'y en a pas. Des votes contre, des abstentions. Je vous remercie. Le point 27, Sandrine. Oui, merci Monsieur le maire. J'en ai déjà parlé plusieurs fois. Le bailleur Les Résidences, Yvelines, Essonne et la commune ont engagé une opération de réhabilitation de la P14, immeuble emblématique que tout le monde connaît du quartier des Pyramides. La grande majorité du bâtiment appartient au bailleur et la commune est toutefois propriétaire de plusieurs locaux en rez-de-chaussée de l'immeuble, occupés pour la plupart par des associations et par la maison de quartier centre social Jacques Prévert. Les opérations prévues par le bailleur et la commune étant géographiquement et techniquement imbriquées, il a donc été nécessaire de prévoir une maîtrise d'ouvrage unique autorisant le bailleur à réaliser l'ensemble des travaux de réhabilitation et de réaménagement, donc qui ont été votés en mai 2022. Après une première phase d'études, le projet est passé en phase chantier au mois de juin 2022. La fin des travaux est prévue pour septembre 2024. L'évolution du projet de réhabilitation de la P14 met en évidence la nécessité de réaliser des travaux complémentaires ayant un impact financier et des conséquences sur le déroulement des travaux, d'où la nécessité de modifier la convention et de conclure l'avenant numéro 1. Merci Sandrine, peut-être pour compléter ton propos, mais indiquer selon la logique de l'avant-après, le fait que Génération Femmes va ainsi passer de 153 mètres carrés à 358 mètres carrés, ce n'est pas complètement anodin. Que les réseaux d'échange de réciproque de savoir cher à Pascal Chataignon passent de 132 mètres carrés à 202 mètres carrés, que la maison d'emploi, elle aussi, passera de 73 mètres carrés à 80 mètres carrés. Donc on voit bien l'apport considérable que ça donnera en surface, notamment avec la création du centre social des Pyramides, qui permettra aussi de gagner des mètres carrés sur le Jacques Prévert actuel. Est-ce qu'il y a des questions ? Il n'y en a pas. Des votes contre, des abstentions. Je vous remercie. Sandrine, toujours, point 29. L'avenant numéro 3, la convention de portage de l'eau sur les copropriétés des Pyramides. Vous savez que la commune a comme priorité, une des priorités de la commune, c'est le redressement des copropriétés en difficulté. Un dispositif de plan de sauvegarde a été mis en place sur le quartier des Pyramides jusqu'en 2022, afin d'accompagner 6 copropriétés. Un des axes d'intervention de ce dispositif consiste à suivre le recouvrement des impayés de charges des propriétaires débiteurs afin d'assainir les finances de ces copropriétés. Dans ce contexte, la commune et la communauté d'agglomération ont signé en février 2020 et pour 3 ans une convention de portage de l'eau avec CDC Habitat. CDC Habitat a proposé une prolongation de 3 ans de cette convention jusqu'en février 2026 dans l'objectif exclusif d'organiser la revente de 15 biens déjà acquis ou en cours d'acquisition et sans envisager de nouvelles acquisitions. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver les termes de cet avenant à la convention. Merci Sandrine, y a-t-il des questions ? Il n'y en a pas. Des votes contre, des abstentions. Merci Sandrine à nouveau. Point 29.
Alors, c'est une adhésion à l'association des responsables de copropriété, qu'on appelle l'ARC, pour l'année 2023, et de désigner un représentant. La commune compte 216 copropriétés sur son territoire, qui représentent un peu plus de 15 000 logements, dont 37% ont un taux d'endettement supérieur au seuil d'alerte nationale. Depuis le début des années 2000, le redressement des copropriétés est donc une des priorités municipales à nouveau. Ainsi, la commune accompagne actuellement 19 copros dans le cadre de dispositifs publics de redressement, plan de sauvegarde et OPA. Et dans ce contexte où l'accompagnement des copropriétés demeure un enjeu fort, il est nécessaire que la commune bénéficie d'une expertise juridique, technique et financière en copropriété, lui permettant d'assurer ses missions dans un souci d'excellence du service public et d'actualisation de ses connaissances. Il est donc envisagé l'adhésion à l'association des responsables de copropriété, association qui a été créée en 1987 et référence nationale pour la défense des copropriétaires, pour un montant annuel de 700 euros, qui permet en effet d'accéder à plusieurs services, dont des consultations annuelles, une matinée de partage d'expériences avec d'autres collectivités, un accès à une documentation spécialisée et un accès à la revue trimestrielle de l'ARC. Et pour représenter la commune au sein des instances de cette association, il est proposé de me désigner comme représentante. Eh bien, écoute, je crois que ça va nous aller. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point ? Des votes contre ? Des abstentions ? Tu es donc officiellement dans le rang des cumulardes. Merci Sandrine. Michel, tu as 3 délibérations, mais les 2 premières, je pense que tu peux les rapporter en même temps. Oui, les deux, de toute façon, sont complètement liés. C'est dans le cadre de la construction par les nouveaux constructeurs de 150 logements sur 3 parcelles situées rue du Bois de l'Entre-deux, un projet immobilier qui est soutenu par la municipalité. Les Papillons Blancs ont déjà vendu leur terrain aux promoteurs et la ville souhaite également céder sa parcelle qui abrite une partie des services techniques qui seront réunis sur un même site dans un temps déterminé. La suite va vous l'indiquer. Pour pouvoir céder ce bien, il convient, comme d'habitude, puisque c'est de le désaffecter, puisque c'est un bien public, en vue de son déclassement ultérieur. Et ensuite, d'autoriser la signature d'une promesse de vente sous condition suspensive du déclassement effectif de ce bien. C'est-à-dire que tant que le bien ne sera pas suspendu, oui, et déclassé, pardon, eh bien, on ne pourra pas aller au bout de la démarche. Il y a donc une date limite de régulation de l'acte de vente qui prévoit une cession pour un montant de 1 140 800 euros et cette date limite est fixée au 30 décembre 2024. Donc, dans un premier temps, en premier vote, il est demandé au conseil municipal d'autoriser la désaffection des parcelles cadastrées 182 AD 22 et 23 et dans un deuxième temps, donc deuxième vote, l'autorisation de signer la promesse de vente sous condition suspensive du déclassement. Merci Michel. Est-il des questions sur ce point ? Il n'y en a pas. Sur la première délib, numéro 30, est-il des votes contre ? Des abstentions ? Je vous remercie. Sur la 31, des votes contre ? Des abstentions ? Je vous remercie. La 32, Michel ? Oui, bien, toujours dans le cadre de Canal Europe, donc on a déjà fait un certain nombre de votes. Les Horizons, donc créés le 28 février 2017, on a une opération d'aménagement qui prévoit la construction d'un écoquartier de 1700 logements sur le site de l'ancien hôpital Louise Michel. La création de ce nouveau quartier engendrera des besoins en équipement public et notamment la construction d'un nouveau groupe scolaire de 19 classes. La commune souhaite construire cet établissement scolaire sur une parcelle qui est la parcelle cadastrée 182 AN 544 d'une superficie de 4 851 m² qu'il est prévu d'acquérir auprès de l'aménageur Grand Paris Aménagement GPA à l'euro symbolique. Il vous est donc demandé d'autoriser l'acquisition de la parcelle cadastrée 181 AN 544 pour la construction de cette magnifique école Les Horizons auprès de GPA à l'euro symbolique. Merci Michel pour cette concision. Y a-t-il des questions ? Il n'y en a pas. Des votes contre, des abstentions ? Je vous remercie. Et en principe, c'est signe que le conseil municipal touche à sa fin. Ronan, 3 délibes. Oui, quand on arrive aux délibérations de Fleury, c'est que le conseil touche à sa fin. Donc, pour le coup, la première délibération consiste à l'adhésion au socle commun de compétences du centre intercommunal, interdépartemental de gestion de la Grande Couronne. Vous savez, c'est une structure publique qui aide les collectivités publiques donc, à faire fonctionner leurs services et notamment tout ce qui touche au recrutement des fonctionnaires territoriaux. Donc, ils assistent en fait sur un certain nombre de missions. Historiquement, enfin, il n'y a pas plus tard que l'année dernière, on pouvait choisir les missions et
et avoir un partenariat sur telle ou telle mission. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Il y a un socle comme un minimum de 5 missions. Il se trouve que c'était déjà des missions avec lesquelles nous étions en partenariat et en contrat avec eux, donc ça ne change rien pour nous. Et c'est en gros le renouvellement de la convention avec le CIG. Merci Ronan. Est-il des questions sur ce point? Il n'y en a pas. Des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Le point suivant. Alors toujours avec le CIG, donc on a la possibilité de se regrouper pour, par exemple, contracter des contrats d'assurance statutaire, hein, donc qui touchent aussi et qui concernent nos fonctionnaires territoriaux. Et on a déjà délibéré pour s'engager dans une démarche de contractualisation en commun avec le CIG, donc avec toutes les collectivités territoriales adhérentes du CIG, sur un contrat d'assurance qui nous garantit contre les risques de décès et d'accidents de service et de maladies professionnelles. Et donc cette délibération valide en fait notre inscription dans ce contrat groupe. Merci Ronan. Des questions sur ce point? Il n'y en a pas. Des votes contre? Les abstentions, je vous remercie. Dernier point à l'ordre du jour, création de postes. Le dernier point habituel, effectivement, la création, modification de postes. Donc nous avons 37 postes actualisés et l'actualisation, c'est à 100% des cas la possibilité de recourir à des contrats privés, de droit privé. Quand on ne trouve pas de fonctionnaires, on s'autorise à recruter des contrats de droit privé. C'est de plus en plus le cas sur de plus en plus de métiers. Et puis, on a deux créations de postes. Merci Ronan. Des questions sur ce point? Monsieur Serigi. En main propre à Monsieur Fleury. Et aujourd'hui, il n'a pas eu de réponse. Maintenant, il y a plus de 2-3 mois. Non, mais je ne sais pas si le conseil municipal est le lieu pour dire « j'ai déposé un CVA ». Enfin. Parce que des dépôts de CV, des demandes de logement, on en a par centaines tous les jours. Non. Je ne suis pas certain que ce soit le lieu. On lui a proposé de lui porter aide et de lui trouver. Il disait qu'il ne trouvait pas, mais on lui a trouvé des gens qui voulaient travailler. Et je lui ai donné, en dehors du conseil municipal. Enfin, jusqu'à preuve du contraire, voilà. Ce n'est pas l'élu voilà. Ronan Fleury qui recrute ou pas les gens. Enfin, je suis désolé, ce n'est pas du tout un sujet de conseil municipal. J'informe M. Fleury qu'aujourd'hui. J'ai compris, M. Serigi, mais ça n'est pas un sujet de conseil municipal. Pardon. Ouais. Bien, pas d'autres questions sur ce point. Des votes contre, des abstentions. Je vous remercie. Pas de questions sur les décisions du maire. Je vous remercie. Le prochain conseil municipal sera programmé le 23 mars prochain et la commission préparatoire aura lieu le 27 mars. J'aimerais, s'il vous plaît, pardon, puisque même si le débat peut paraître frustrant à bien des égards, vu sa complexité pour un budget... fonctionnement investissement qui dépasse les 160 millions d'euros. J'aimerais remercier, chère Anne Pétureau, l'ensemble de nos services qui ont travaillé ardemment ces dernières semaines à la préparation de ce budget. Merci à toutes et tous. Ah, c'est le 6 avril, j'ai dit une connerie, c'est ça? Ah oui, il est reporté au 6 avril. C'est le 6 avril, le prochain conseil municipal. Ça m'apprendra à pas bien lire. Bonne soirée à tous. Thank you.